centre de dévastation. Ah oui. Ouais, y en a plus beaucoup, tu vois, j'ai globalement réglé le problème, mais c'est pour ça que je suis pauvre en fait. Ah putain, j'ai un héritier nul. Presse imprimée n'est pas encore adoptée. Passerait un ta vidéo Phara Sport qui fait du surplace presque le piaf. Ouais, en fait, ça, il fait du surplace et ils attaquent comme ça, mais il faut trouver un peu du Saint-Esprit où ils attaquent. En fait, ils restent en surplace et puis après, vroom, ils foncent. Vroom, il fonce. Tu veux dire qu'il a une turbine? Oh, le salaud. Mais les faucons, ils sont impressionnants et le faucon pèlerin, c'est vraiment. Ouah, putain! Bah, je crois qu'Alanion était impressionné. Non, regardez ça! Moi, mais le mec, il a amené sa gamine à côté de sa piaf, quoi. Et le piaf l'a mangé? Non, Le bah non. piaf, il est grand quand même. Hein. Ah, mais il Ah fait bah plus d'un il mètre m'a vingt, dit hein! qu'il faisait 1 mètre. 1 mètre 60, ce piaf, oui, facile! Pourtant, sur Wikipédia, il parlait d'1 mètre 20 de haut. Ouais, non, mais attends, Ça là, va dépendre. c'est la taille du mec hein, quand il se tient droit, même plus, hein. 1 mètre 20 au garrot, tu sais, comme pour les chevaux, là, au niveau du dos. Il fait facile un 50, hein. Putain, moi je mange pas de ce machin. Il le caresse et tout à la fin, c'est balèze. Et il s'est incliné donc il a le droit. Ouais. Oh la gamine, mais. Ouais. Attends, on va aller avec son papa, tout va bien. Bon, enfin, le papa, à mon avis, il se prend un coup de bec, il a un PLS. Hein. C'est clair. Bon, attends, il fait que 7 kilos le piaf, même en frappant toutes ses forces, pas non plus être. Et puis voilà, et puis toi, tu lui fais un coup Ouais, de bec, bon. c'est le piaf, il dégage, hein. Et après, regarde, il lui fait un coup de latte, il prend la gamine et il court. C'est bon, le piaf, il y arrivera jamais. Oui, vu comme ça. Salut Tancred! Et en plus, il y a le mec qui filme. Et sûrement d'autres gens. Je crois qu'il va attaquer le piaf à coup bah, de mais le caméra. Mec, il continue de filmer, tu sais, le mec. Bah, il faut faire les. Le piaf aussi, Il faut pareil, faire il les. peut s'enfuir, Mais non, je sais bah non, pas, parce mais. que si le laisse pas bouffer la gamine, il fera jamais 10 millions de vues sur YouTube. Hein. Tu as raison. Après, attends, regarde. Les deux types qui tabassent un piaf, ça peut faire 5 millions de vues sur YouTube. Bon, après, t'as 15 assos sur le dos aussi. Ouais. Pourquoi il tabasserait le piaf? Parce qu'il a chopé la gamine? Oui. Ouais, mais des gamines, y'en a d'autres. Quel Attends, est-ce que des vidéos qui font des millions de vues Bon, y'en a d'autres aussi, mais moins. En exclusivité, une vidéo exceptionnelle de d'Elagnon à l'infirmerie. Ben voyons. En exclusivité, attention. Bah, oh, un Elagnon blanc. Bon, on en était où? Dominer le monde, mais après. Mais c'est vrai qu'ils sont beaux comme oiseaux, c'est tout mignon. Est-ce que je donne la Corse à la Sardaigne, sachant que de toute façon je vais annexer la Sardaigne? T'as vu mon message par là? Est-ce que t'as coré la Corse? Non. Oui. Bah, autant la garder alors. Est-ce que si la Sardaigne est loyale, pas la peine de lui donner des provinces? On va pas vous tenter d'accepter un contenu qui nécessite que vous soyez connecté. Hein? Et l'agneau arrête d'essayer d'envoyer des virus aux gens. Mais non, mais j'envoie pas de virus aux gens. Oui. Bien sûr. Moi non plus. C'est que le ver PayPal d'Android c'était toi. Bah, ah oui, bien sûr, j'ai que ça à foutre. 35 jours. Attends, ta capitale elle est où, Elagnon? Ah putain, mais oui, je suis en Amérique moi. La capitale d'Elagnon? Non, Elagnon. Elagnon, oui, Zayn, fatigué. Zayn. Non, parce que bon, du coup, il me dit 40 jours pour rapatrier mon diplomate qui était chez toi. Bah, tu le rapatries pas, il était très bien où il était. Oui, non, mais il sert plus à rien, les relations sont remontées et sont remontées. De mon côté, en tout cas. Tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est de la fauconnerie. Ouais, grave. Putain, c'est trop classe. En plus, je connaissais une personne qui faisait de la fauconnerie. Tu veux faire de la c'est fauconnerie? Génial, hein. Oh, mais c'est un peu réac, non, la fauconnerie? T'es dans la rue, là, tu te balades, tu sais, t'envoies ton faucon buter des pigeons partout. Même pour la chasse, c'est l'agneau. Ah bah oui, surtout pour la chasse. Mais c'est génial, t'as rien à faire en fait. Ouais, t'es là, chez toi, devant ta fenêtre, tu le balances, il va te ramener le lapin et tout. Mais tu lui donnes la tête. Attends, attendez, là, vous représentez la chasse du feignant aussi. Bah ouais, alors. Parce que mais la chasse, c'est un truc de feignant, t'es avec un fusil et t'attends. Je veux dire, autant envoyer un piaf s'amuser un peu, tu vois. C'est exactement ça. Mais non mais attends, les vrais chasseurs, ils vont avec un arc ou un couteau ou un pieu traquer le sanglier, non, le mec, merde, le sanglier géant de Turquie, là.
Ah mais même l'arc, c'est un truc de gland. Oui, non, mais je parle d'un sanglier de 400 kilos et l'agneau. Mais non, mais attends, il y a des mecs qui se foutent sur un arbre, ils restent pendant des heures avec leur arc, ils attendent que le sanglier vienne au pied de l'arbre bouffer des glands et des châtaignes et il allume, tu sais. Il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube. Alors que là, en fait, tu es à cheval, t'as ton faucon sur ton poignet, sur ton bras, et dès que tu vois une perdrix ou un faisan s'envoler ou un lapin, tu balances ton faucon, mais c'est génial quoi, c'est comme si tu jouais à Pokémon, mais en vrai. Roucarnage, attaque piquée. Nom de Dieu. Pas mal. Pas mal. Ah ouais, non, c'est sûr, là, tu baisses les yeux hein, face à ça, tu dis oui monsieur, quoi. Ouais. Les Shetland, 25 d'autonomie, bon, on s'en fout. C'est vrai que c'est dommage que la fauconnerie ça n'existe plus. Bon, enfin, si ça existe encore. Si, ça existe toujours. Ouais, mais dans des zoos, juste. Ouais, t'as des. Comment dire, t'as des démonstrations avec des vrais trucs de fauconnerie, t'entends? Mon dieu. Colibrin. J'avais vu une. Je sais pas, ils appelaient ça une école de fauconnerie où ils avaient présenté différents oiseaux dans le sud. Ah ouais? Ah, mais oui, mais il y a le rocher des aigles à Rocamadour. Ouais, moi aussi j'en ai vu, mais je sais pas, moi je t'avoue, j'aimerais bien faire de la fauconnerie, tu sais, élever mon petit faucon et aller à la chasse avec lui. Balader avec lui aussi. Tu peux acheter ton pain, t'as ton petit faucon sur l'épaule là, tranquille. Ouais, mais as-tu pensé aux pauvres animaux que tu vas chasser? Est-ce que tu leur as... Est-ce qu'ils sont consentants? Ouais, des caniches dans la rue, des trucs comme ça, tu t'en fous, tu sais. Mais bon, as-tu pensé au. Est-ce que ton faucon a réellement envie de tuer des lièvres? Bien sûr, c'est des prédateurs, ils aiment le sang, tu sais, ils aiment tuer. Ah, il y en a qui diraient que le lion tue la gazelle parce qu'il est obligé. Hein. Ah oui, c'est culturel, il est culturellement vidéo, obligé, n'oublie pas. Ouais. J'ai vu cette vidéo, putain, sans déconner. Ah mais oui, putain, le vegan, là, c'est ça. Ouais. Oh putain, c'était génial. Salut Sargarion. Putain, vous connaissez l'outard de Cory? Un piaf qui fait 20 kilos. Putain, mais attends, ça vole. Aussi gros qu'une gazelle. Ouais, ça vole. Attends, vraiment 20 kilos, ça me paraît énorme pour un piaf volant. Bah écoute, entre 6 et 19 kilos. Ah bah faut qu'il va falloir qu'il fasse un régime. Hein. Ah, confidence pour confidence, j'ai déjà vu des poussins faucons de près. Waouh, moi j'ai déjà vu des poussins de près. Moi j'ai vu un petit chupacabra de près. Moi j'ai vu un Wendigo. On progresse. 20 kilos qui volent, bah il doit être bien, je sais pas, il doit être bien chargé. C'est quoi, c'est un charognard qui se charge de 10 kilos de bidoche avant de décoller? Je sais pas trop, attends, je vais regarder. Bon, je tends mon réseau d'espionnage. Alors, menace quasi menacée. Bah, en moyenne il fait 12,5 kg. Et les plus lourds ils atteignent les 20 kilos. C'était pas les Mongols. Alors, qui chassaient avec le royal? C'est omnivore, mais quand même beaucoup plus carnivore. Je sais qu'ils chassent avec des rapaces, mais après... Je sais que les Mongols et les Ouzbeks chassent avec des rapaces. Ah oui, les Mongols, ils chassent avec des piafs. Ouais. Après, je saurais pas te dire exactement l'espèce. Mais je sais que c'était considéré comme un art noble. Oui, c'est ça. Les Mongols utilisent de l'aigle royal pour la chasse. J'avoue. Bon, leader. Ouais, c'est moi. Il se trouve qu'il y a des contrées primitives dans ce monde. Oui, je sais, je suis en train de les civiliser. On parle pas des mêmes? Non. C'est-à-dire, en parlant de contrées, il faudrait que je devienne un royaume parce que j'ai manqué d'état, moi, à ce rythme-là. Tu sais que je peux parfaitement te libérer de tes états sans aucun problème. Oui, alors t'as vu leur développement, mes états? Pour l'instant, j'aimerais bien les conserver hein, parce que c'est eux qui payent la colonisation, c'est pas les colonies américaines. En dehors de peut-être Terre-Neuve,
qui a pas d'autonomie et qui est bien développé, le reste. C'est stylé le vieux avec son aigle. T'as vu ça? Pour la classe. Oh, il galère à le porter quand même. Ça se sent, ouais. C'est bête que ça, ces trucs, mais putain, mais. Ah oui, c'est sûr que là, tu t'en prends. Ah oui, c'est les Norvégiennes qui colonisent là-haut. D'ailleurs, j'ai vu le condor des Andes fait 15 kilos, 4 mètres d'envergure, c'est le plus grand oiseau du monde. À l'heure actuelle, l'oiseau vivant. Dépense des points en dev. Bah, je vais plutôt prendre. Non, mais je vais prendre en fait la tac, ça. Tiens, je vais oublier. Hop. Plus d'attrition des troupes ennemies, moins d'attrition pour moi. Et je peux pas envoyer de conquistador et ça c'est chiant. Sinon j'attends quelques princes de plus et prix de l'instit pour qu'elle soit moins chère. Ah oh, salut, l'anglais a pris Curaçao. Je l'avais pas vu. Ah mais attends, il y a encore plein de petites îles à prendre dans les Caraïbes. C'est là qu'il faut que j'aille en fait. Bah je sais pas, j'y vais aussi en fait. Donc, le nom du piaf STP? Quel piaf? Ah je crois qu'on demandait. Et l'agnon, c'est quoi ton piaf là dont tu parlais juste avant? Outarde. Outarde. Outarde Cory. Est-ce que mes bourgeois pourraient pas me... Si, les bourgeois peuvent. Hop. Les bourgeois peuvent toujours, dealer. C'est même à ça qu'ils servent. Exactement. Oui, ils peuvent quoi? Bah, te donner de l'argent. De l'argent, en prendre aussi. Donner de l'argent. Prends exemple, voilà. Sophie, bleu. Là, ils me donnent des colons. Je sais pas, ils doivent acheter des esclaves, me les donner, je les mets à coloniser, j'imagine. Quelque chose comme ça. Ah tiens, oui, je peux le refaire, j'avais oublié. Mais ils sont pas assez populaires chez moi, donc en fait je peux pas. Je suis à combien? Je suis quand même à 130 de croissance coloniale. Du coup. Ah oui, faut que je colonise tout le nord là. Tout le nord craquera. Enfin, les 13 colonies c'est quand même un peu plus engageant. Que les Caraïbes? Oui, va dans les 13 colonies. Non, pas que les Caraïbes, mais les Caraïbes aussi, je compte bien aller me prendre quelques îles là, puisque je vois qu'il y en a encore plein de dispo. Pour combien de temps? Les 13 colonies, c'est plus engageant que le Québec. Je voulais dire. Oui. Les Caraïbes, ça va pas te faire une nation coloniale? Pas le Québec, c'est le Grand Nord. De quoi? Ça va pas te faire une nation coloniale? Ah bah, on va voir, mais je pense pas. Non, il me semble que c'est toute l'Amérique du Nord et les Caraïbes en font partie. Toute l'Amérique du Nord, c'est chez moi et c'est en Amérique du Sud que j'aurai des états coloniaux. cm pour 12,5 kg, pas mal pour un oiseau volant. Attends, je vais voir à quoi ça ressemble. Là. Tu as dit que ça s'appelait une outarde. Outarde Cory. Avec un K. C'est moche, hein. De quoi? De quoi? Qu'est-ce qui est moche? T'es pas là? L'outarde. Ça ressemble à quoi? À une outarde. C'est pas beau. Bon, allez, le Brésil, je sais que t'as plein de fric. Lance-toi dans la colo. Rends-toi utile. Je trouve des trucs sur les outardes, mais pas les outardes Cory. Bah tu tapes outarde Cory, idiot. Bah t'es oui, mais avec, tu m'as dit avec un K, il me prouve rien. Il me propose outarde et outarde Canepierre. Outarde barbu, outarde du Canada. Outarde Cory, moi je te... Ah, outarde Cory, ça y est, j'ai trouvé. Oh, je vais l'appuyer sur entrée. Oh. Mais il y a une connard. Je te pisse à l'arrêt. Bah voyons. De raies. On pisse assis, okay, on menace pas les autres d'urination sur l'arrêt. Quand on pisse assis, tu cherches la guerre? Tu veux la trouver, connard, tu vas voir. Oh,
Putain, le Didi, il est chaud là. Ah. Alors, j'ai une question. Parce que c'est bien, j'ai foutu les 10 000 partout, mais j'ai l'impression que les provinces où j'ai des 10 000 ne me rapportent zéro de prod. Et je sais pas pourquoi. Alors que c'est juste. Je suis Alors juste censé avoir l'autonomie de base. les limites suppriment l'autonomie par rapport à l'impôt, mais pas par rapport à la prod. Donc si t'as encore de l'autonomie, c'est normal que ta prod soit faible. Si tu n'as pas d'autonomie, c'est pas normal. Bah j'ai 25% d'autonomie et en fait ma prod est dégueulasse quoi. Bah C'est normalement, genre mettre un. ils te mettent 25% de prod en moins, les 10 000, mais ça c'est normal, comme n'importe quel state. Oui, ça je sais, mais du coup, est-ce que c'est vraiment normal que mes provinces, quand je vais y mettre une manufacture sur du tissu, elles me rapportent 0,2 quoi. Tu vois, c'est. Alors est-ce que l'impact de l'autonomie est plus important qu'avant? Je sais pas. Ah mais non, mais c'est parce que j'ai une productivité dégueulasse aussi. Attends, où sont mes trois colons? Bon, non, voilà. Attends, c'est bizarre, j'ai un colon, je sais pas où il est. Ah non, c'est que j'ai bien un colon ici, en fait. Et l'amitié éternelle, moi, si tu le dis. Bon, il va falloir que je me fasse des lourds aussi. Alors, outard de Cory. Ouais, ça a l'air assez gros. C'est une grosse dinde, en fait. Bah ouais, plus ou moins. Bon, leader, je civilise les primitifs. Enfin. Mais c'est vrai que ça a pas le regard aussi déter que le mec en sabot. Ah ouais, mais lui Non c'est mais le le plus mec en vénard de sabot, tous. il a le regard d'un tueur. C'est ça. Vraiment le regard d'un Hannibal tueur, tu vois, Lecter. c'est même pas c'est pas une surex une expression ou quoi que ce soit. Même une En même temps, hyène, ça a l'air le plus bec en sympa, sabot tu vois. adulte, s'il est arrivé là, c'est qu'il a tué la fratrie. C'est vrai en plus, Ouais. putain. Alors, j'ai une question Il bonus. a même Est-ce que peut-être tué sa mère aussi, tu sais. si mes nations coloniales, elles ont tendance à coloniser dans les autres zones? Ça arrive, oui. Ouais, quand elles ont plus du tout de place, ça arrive. Oui, mais genre seulement quand elles ont plus de place, quoi, Oui, c'est seulement ça? qu'elles n'ont plus de place normalement. Elles peuvent quitter leur zone. Parce que j'ai déjà vu des Mexiques ou des 13 colonies aller au-delà, quoi. De même que j'ai déjà vu des États coloniaux des Caraïbes coloniser la Floride et le nord du Venezuela. Et alors, après, c'était particulier parce que c'était dans leur zone commerciale, mais c'était plus dans leur zone coloniale par contre. Ce qu'ils étaient en train de coloniser. Heureusement que j'y vais, c'est là quand même. Sinon, on Ah découvrirait tellement pas de choses. ouais. Attends, pourquoi j'y vais... heureusement... pourquoi heureusement que j'y vais, c'est là? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait découvrir? Bah, le bec Ben en le sabot. bec. Ah! Ah mais attends, c'est parce que sur JVC, ils parlent du bec en sabot? Bien sûr que Oui, oui. un Ils en super ont même topic fait de des ça. mèmes. C'est À qui? À clair. cause de son regard de déter psychopathe? Absolument. Et c'était quoi les commentaires sur l'IVC? C'est vraiment drôle quoi. Imagine que cet oiseau te touche les fesses de ta copine. Qu'est-ce que tu Putain. Moi je dis désolé monsieur. Tenez, je vous la déshabille. Leader, j'ai un problème. Oui. Pourquoi le pape veut rentrer dans une coalition alors que je vais tabasser des natifs? Attends, c'est quoi, t'as fait monter l'expansion agressive sur le pape en attaquant les natifs en Bah là je Amérique? regarde, j'attaque les natifs et je lui dis je vais prendre Est-ce les qu'il aurait pas provinces. colo? Ça me paraît peu probable, mais est-ce qu'il aurait pas colo Non. à côté? Non. Alors c'est que le pape se sent très concerné par le sort des natifs. A priori. C'est beau. Il était temps que l'Église chrétienne fasse cesser les exactions contre les natifs. Ah putain, Dider, est-ce que t'es allé voir Mortal Engine? Ce film complètement con où les villes elles se déplacent sur des roues. Non, j'avais vu la bande-annonce il y a longtemps. C'est Peter Jackson qui le fait ça. Je sais pas, peut-être. Pourquoi qu'il faut impérativement le voir? Parce que ça avait Ah pas non, l'air. je sais pas. Oui, ça a l'air Mais complètement con. attends, Mais c'est il est pas sorti sorti là, là. c'est dans quelque temps ça, non? Bah non, c'est maintenant, je crois qu'il sort. Ah bon? Oui. Oui, c'est ça.
Il est sorti aujourd'hui. Ah oui? Oh bah, je n'étais pas au courant. T'as l'air particulièrement con. Est-ce que tu as la sensation d'avoir raté ta vie, dis-toi? Pas spécialement, pourquoi je devrais? Non, juste pour savoir. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais que tu n'as pas vu ce film? Tu ne savais pas Ah. qu'il était sorti? Bah, franchement, la bande-annonce m'avait pas vendu du rêve, donc. Bon, j'avoue que ça m'a pas vendu du rêve non plus, hein. Ah, mais c'est super con, surtout. Bah, sur le papier, toi, ça pouvait sonner bien. Dire, ouais, des villes géantes qui parcourent un monde post-apo et tout, toi, ça, pourquoi pas? Mais quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait vraiment pas emballé. Oh, tiens, je vais vous choper, bande de chiens. Allez, extermination! Vous serez basque ou vous ne serez pas. Quel film? Mortal Engine, un film où il y a des villes roulantes qui parcourent un monde post-apo. A priori, d'après ce que Est-ce avait que l'air de vendre la bande-annonce. vous avez déjà vu une hyène choper un buffle par les couilles? Ah putain! Ah, et l'agneau est dans sa période animale là. Hein. Ah mais même plus il Attends, est con le bah buffle. attends, et l'agneau, si tu veux des trucs vraiment badass, j'avais vu une vidéo où t'avais un lion qui attaquait tout seul un troupeau de buffles et qui niquait un buffle, mais un gros buffle adulte et qui se le faisait tout seul en mode je suis trop badass. Ah ouais? Pas, c'était pas le lion, le gros tas qui se fait nourrir par les lions, quoi. C'était le mâle alpha. Il est débile le jeu. Complètement con, hein. Il se laisse faire. Écoute, peut-être qu'il aime ça, hein. Une hyène attrape un buffle par les couilles. J'ai cru qu'il allait les lui arracher en plus. Après, il a l'air mal au point, ton buffle, comment il est peu réactif? Enfin, à mon avis, il est blessé ou malade. Hein. Il a passé la journée à courir, peut-être. Peut-être. Bah oui, ils l'ont peut-être coursé, je sais pas. Être peu réactif à ce point, enfin, quand une hyène te mord les couilles, je pense que quelle que soit ton espèce, tu es un peu plus réactif que ça. Oh, ça fait mal. Oh, ça me fait mal, franchement. Ouais, sur JVC, il y avait une vidéo dégueulasse d'un zèbre qui s'était fait éventrer par un crocodile et qui courait en vidant ses entrailles, tu vois. Mais sur 100 mètres, mais c'était affreux. Et à la fin, il y avait tout qui tombait, les poumons et le truc qui courait encore, tu vois, il tournait en rond et bon, il a fini par crever. Mais putain, c'était dégueulasse. Affreux. La nature, c'est génial. Ah oui. Et après, t'as des vidéos de chatons qui font des canards des chiens, t'as tous les gens qui se disent oh, si on était comme les animaux, franchement, il y aurait la paix et tout. Ouais, t'as raison, tu sais. Si on était comme les animaux, ça serait dégueulasse, il y aurait du sang partout. C'est violent les indigènes en Afrique. Ah oui, en Pourquoi Afrique, ils personne me l'a sont dit beaucoup ça? plus féroces que dans le Nouveau Monde. Bah, En dehors de certaines. surtout quand ils sortent cette miname, quoi. En dehors de certaines régions, peut-être. Attends, je vais essayer de te retrouver l'agneau parce que bon, vu que t'as l'air dans ta période d'être dans ta période animale, je pense que ça va te plaire. Ma période animale. Non, mais j'ai pas de période. Bah si, là, clairement. J'ai toujours été très très proche des Non, animaux et agneaux. c'est Pharas qui l'a commencé avec son piaf chelou. Ah tiens, dis-donc, on se posait Ou la question. Oui. La canonnade, c'est la brèche en fait. Oui, Avec le c'est bateau. exactement la brèche. C'est la même chose. Sauf que ça coûte 50 points militaires pareil, donc je vois pas trop l'intérêt en fait. Alors l'intérêt c'est que tu peux le faire si t'as pas de canon, quoi. Du coup t'as pas de canon. Et surtout, s'il y a un intérêt, c'est qu'après, t'as moyen de réduire ce coût. Les Portugais par exemple, ils ont moyen de l'avoir pour 20 points militaires. Ah oui, ouais, ça peut être bien ça alors. Alors, je sais plus comment on fait, mais en gros, les Portugais ont une réduction spéciale, et il y a une autre réduction que tout le monde peut avoir, je sais plus du tout comment. Je sais plus comment ça s'obtient. Mais c'est possible. Tiens, toi, va m'exterminer ces emmerdeurs là. Toi, va m'exterminer les mecs qui ont osé s'installer à Béotuc. Sa période, il a des monstrues, oui, il a des monstrues animales. En fait, il y a des moments où il a besoin de voilà. Ben Mais voyons. les... Ah, je crois que j'ai trouvé en plus l'agneau. Attends, Oh! c'est bien celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là.
Hop. Donc les documentaires sur Arte, ils sont tellement édulcorés. Comparé, ils doivent filmer des trucs tellement hardcore, les mecs. Bah, ils te coupent les moments où ils éventrent les bestioles et tout, oui. Bah oui. Bah, et en fait, ils te filment la mise à mort, qui le plus souvent, c'est juste, ils le chopent à la gorge et ils l'étouffent. Bah, ils l'étouffent, ouais. Et après, ils te mettent pas le passage où ils s'éventrent, quoi, où ils éventrent la proie. Ils mettent le passage où ils se nettoient les babines, quoi. C'est ça. Oh, tiens, ils ont le museau rouge. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ah, mais ça a coupé là, attends. Alors, le lion il essaie vraiment de se cacher derrière la souche d'arbre là. Oui. C'est peu ultra discret dans l'herbe rase. Putain, mais attends, ils ont quelle tech les indigènes? Ils sont vénères au combat? 10. Comment tu oses parler? Ah, putain, mais attends, indigènes. Ah ouais, mais ils se sont réformés quoi, les indigènes, ils sont tech 10, Zayn. C'est chaud. Oui, mais t'es tech 13, c'est non, bon. Non, je suis tech 11 militaire. T'es tech. Pourquoi est-ce que je t'ai pas rasé de la carte déjà? Putain, les mecs dans leur bagnole là! Attends, ils vont où? Bon, il est pas gros, c'est plus fille petite, c'est un adolescent. Oh, oui, si tu le dis. Puis le lion, il est quand même en sueur un peu quoi, il est dessous, il peut se repiétiner, tu vois. Ah, il se prend quelques coups de patte, mais tu vois, c'est bon, voilà, ouais. Il y va seul quoi, contre le buffle. Ah oui! C'est un vrai! Il dit pas au lion, ramenez-moi un zèbre. Là, le buffle, il doit flipper, quoi, le pauvre. Alors, prochain DLC orienté sur quel pays? Ah, c'est beaucoup trop tôt pour avoir la moindre idée à ce sujet. L'Irlande, évidemment. Putain, les touristes autour, tu sais. Non, j'ai proposé l'Australie. Voilà, Zayn propose l'Australie, mais je n'y crois pas trop. N'écoutez pas les pronostics de Zayn. User joined your channel. Pire, c'est les hyènes, je crois qu'elles commencent à le bouffer l'animal avant qu'il soit mort, tu vois. Bonsoir, bonsoir. C'est meilleur comme ça? Dégueulasse, attends. Franchement, être un herbivore, c'est vraiment un truc de blaireau, quoi. Et puis t'as plein de cons qui deviennent végétariennes. Ah, attends, t'avais vu la vidéo, la vie de merde des pingouins? Ah ouais, putain, elle est énorme. Quelle jouette. Ah, cette vidéo, elle est géniale. Surtout la fin, quoi, putain. Putain, à la fin, il y a un deuxième lion qui arrive pour profiter du... glace-croûte, quoi. Tu sais ce que j'aimerais comme option, dealer? Un bouton, ajouter de l'or tant que l'œuf de paix est valide. Ah oui, d'accord. Mais ça vaut. Non, mais ça serait. C'est, d'ailleurs, c'était comme ça au tout début du jeu, il me semble. C'est comme ça que tu gagnais somme folle. Non, c'est pas ça. C'est ajouter un bouton. Tant que tu as la petite croix verte et qu'il accepte. Oui, c'est ça, mais au tout début du jeu, je crois que il y avait de l'argent qui était généré de manière frauduleuse comme ça, où les IA te donnaient plus que ce qu'elles pouvaient emprunter. Enfin, quitte à faire 10 emprunts, il me semble que c'était comme ça au tout début. Oui, alors ça, mais c'est pas ça ma... Ah, c'est pas ça? C'est pas ça ma demande. Ma demande, c'est que l'IA, je lui fais une paix à 78%, il accepte. Je fais donne-moi tout ton or, il accepte pas. Donc je dois cliquer pourcent par pourcent pour trouver... Où est-ce qu'il s'arrête? Ah oui, le montant exact, oui. Voilà, donc moi j'aimerais juste qu'il y ait un bouton... Un raccourci. C'est ça, un raccourci, clic, arrive au montant exact. Un raccourci exact. Du feignant. C'est ça, c'est exactement ça, voilà. Alors je peux activer des policiers. Ah bah tiens, croissance coloniale, bien sûr. C'est sur le courant d'une morale terrestre. Où on se mange pas de pain. Salut, est-ce que... Moumoulu. Le Killua au prochain DLC. Le Monomatopa, alors c'est un peu plus badass que le Killua. Ouais, ça avance doucement. Pour le coup, il a joué au vu au Auschwitz, hein, plutôt. Oh, mais ça marche aussi avec ça. Pourquoi tu parles de ça? Regarde ce qu'il a envoyé sur le TS. Alors, est-ce qu'on veut vraiment regarder ce que l'agneau a envoyé sur le TS? Ah, c'est un truc humoristique, c'est bon.
Faut checker pour voir si c'est humoristique ou c'est passible de ban. Bah, tu rigoles ou quoi? Là là. C'est là où tu veux aller passer tes vacances. Mais tu sais que en Russie, ils ont rouvert des goulags en disant que ça allait être des centres de rééducation pour les ados. C'est très bien. Ouais, Ils ont y a la raison. même chose, il y a la même chose en Chine, mais cette fois pour les musulmans. Bah, il faut les rééduquer, écoute, ils savent pas Partagé au chat, s'adapter on se sent à la exclu. société. Ah, mais je crois que sur il est... en tout cas sur le YouTube, tu peux pas faire des liens comme ça. Moi je peux. Alors. Sinon, tu t'en Tiens, sors avec les basques? va me dicanier les sauvages, toi. Et sinon, Dider, tu t'en sors avec ta Navarre? Oui, un peck, l'Empire basque d'Amérique se développe. Tranquillou. J'aimerais qu'il aille plus vite, mais il me faut plus d'argent pour ça. Là, je vais coloniser les quoi? Les Achinabés et les Micmacs. D'ailleurs, du coup, en fait, la mécanique d'expulser les populations, les minorités ethniques, en fait, ça marche pas trop bien avec ce que je fais, vu que du coup, j'ai expulsé les Norvégiens et les Léonais pour les retrouver chez moi. Oui, mais dis-toi que grâce à ça, tu pourras envoyer des Norvégiens et des Léonais Ah bah ça y est, c'est fait, du coup. dans le désert du Nevada. Bah Ah non, merde! non, parce que je t'ai dit, après on peut pas les redéplacer une fois qu'ils sont en Amérique. Ils sortent de Ah l'option. oui! Ah, c'est Donc bien. là, en gros, j'ai viré tous les Léonais et les Galiciens de mon territoire. J'ai viré les Norvégiens des Shetland. Maintenant, il y a des Basques aux Shetland. Et du coup, je les retrouve, vu que je crée pas d'états coloniaux, je les retrouve là-haut. Bon, j'ai deux trois problèmes, dealer. Comme. Comme c'est vraiment chiant les 12 000 les 12 000 révoltés là sur les provinces que j'essaie de coloniser, je l'ai perdu. Et partir en guerre en Amérique fait que j'ai 34 rebelles aragonais qu'on Attends, pop chez t'as moi. plus d'armée en chez toi? Non. Pourquoi t'as envoyé toutes tes armées en Amérique? T'avais pas besoin de toutes tes armées quand même. Mais j'ai que 33 000 hommes en fait. T'as que 33 000 hommes avec la taille que tu fais? Mais tu fais 400 et quelques de dev? Alors, oui, mais j'ai pas d'argent. Mais c'est... Comment? Tu te fais 20 ducats sur le commerce? Tu dois bien te faire largement autant sur l'impôt et la prod? Tu dois te faire 60 ducats de revenus, non? Tu fais combien? Et je t'estime à 60 ducats. Dis-moi si j'ai gagné la roue de la fortune. Je fais 72. Ah, tu vois, je Non, te sous-estimais même. non, Je sais pas, tu vis au-dessus de tes non, moyens, il y a un non. truc qui cloche, parce que 72 du cas, enfin. Moi J'ai... j'en ai même pas 30, Zayn, et j'arrive à. Je colo. Ou alors t'as trop de colonies. Parce que moi je colo 4 provinces par 4 provinces. Oui, moi aussi, et j'ai 10 ducats dans la corruption, en fait, dis-donc. Ah oui, mais pas autant de lutte contre la corruption. Tu peux te permettre Mais qu'elle descende un peu plus lentement. non, mais t'es malade, je suis en retard dans toutes mes techs. Je peux pas me permettre de ne pas avoir de... Ah, mais t'as pas de révolte risque dans les... Ah ok, d'accord, ça je savais pas, ça c'est nouveau. J'ai aucun révolte risque dans les provinces mexicaines que j'ai prises. Ah, ça c'est, je sais pas, ça évolue parce qu'il y en a parfois, il y a quand même parfois des révoltes nationalistes dans ces provinces-là, mais je sais pas trop. Effectivement, j'ai vu que ça était assez faible, mais je sais pas ce qui influe. Il a de l'autonomie, oui, mais je sais pas, il a peut-être beaucoup trop d'autonomie, mais même 70, normalement 72 de revenus, il est bien quoi à ce stade-là. Il y a mieux, mais il part d'un tout petit pays donc il reste plutôt bien. Ah, de la fourrure. Est-ce qu'il y a déjà eu le dernier castor du monde? Oui, il y a déjà eu le dernier castor.
prochaine guerre sera contre les Iroquois. Pourquoi j'ai une catastrophe? La légitimité est d'inférieur à 75. Mais ça, c'est pas, ça dépend pas de moi. C'est pas comme si j'avais voulu avoir une légitimité faible. Alors. 7 et 6, d'accord. Nous pouvons procéder à des investissements pour nos machins, d'accord. Comment ça marche? Ils ont pas de thunes, hein, les Amérindiens dans le Nord. Il a pris des doctrines humanistes ou religion? Non, je crois pas. Je crois qu'il a, comme moi, il a expansion et exploration. C'est ça. Et j'ai 0% de révolte risque dans le Nouveau Monde, donc c'est pour ça que mon armée était là-bas. Je me disais, avec j'ai pris 10 provinces, ça me crée une nation coloniale et elle va être en PLS. Mais a priori, même pas en fait. Il n'y a pas d'indépendantiste en fait. Explo, défensive, expansionnisme. Il n'y a pas d'indépendantiste chez eux. C'est la même chose que moi. Et où est-ce qu'il n'y a pas d'indépendantiste? En Amérique. Je sais pas, parce que moi quand je fais la conquête de territoire dans le nord, enfin c'est 20 d'agitation, hein, la moindre province de merde. Je l'ai sous les yeux là, ça me paraît, c'est pour ça que ça me paraît étrange. Ou alors non, attends, est-ce que tes territoires ont été transférés à ton état colonial? Non. Ah bon, parce que j'allais dire c'est ton état colonial qui a des bonus pétés, sinon je vois pas. Parce que moi, je peux te dire que le révolte risque il est présent. Hein. Si je me casse, ça va péter. Et bonsoir, VTL. Parce que tu étais capitaine en Amérique? Et tu crois que c'est parce que j'ai ma capitale. Mais ça veut dire qu'il y a un bonus caché de stabilité des provinces américaines dans tous les cas. Non, en fait, que tu. Quand tu n'as pas le désir d'indépendance. Si c'est pas sur le même continent que toi. Alors, pas sur le même continent, mais si c'est en Amérique et que toi tu n'es pas en Amérique. Ça me paraît bizarre, ou alors c'est nouveau parce qu'il y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une partie de test avec le Portugal où je rushais le Mexique. Et je peux te dire que les provinces mexicaines aiment casser les couilles en termes de risque de révolte. Et c'était pas coopératif avec le progrès. Oh déjà? Oh c'était tellement vite. Alors ça par contre, j'aime bien ce... Tiens, je vais le prendre. Je sais pas qui est mon conseiller commercial, mais j'ai un nouveau conseiller commercial. C'est un conseiller niveau 3 qui me coûte 3 ducats, dealer. Ça fait pas beaucoup pour un conseiller niveau 3. Ouais, on est d'accord. Hop, bon, je vais renforcer ma présence en Amérique, militairement parlant. Tu vas convertir les cultures des provinces américaines conquises aux Indiens. Je sais pas, je verrai. Pour l'instant, je me pose pas trop la question, mais je vais voir. Je vais changer la religion, ça c'est sûr. La culture, je sais pas, bah après. Peut-être que je les garderai, tu sais, pour le folklore. Après tout, j'ai bien des Léonais là. Ça sonne quoi au niveau culture? Hop. Ah oui, donc qu'est-ce qu'il faut construire dans les... C'est quoi ça? Un comptoir par région? C'est comment ça marche? Comment ça, comptoir? Bah j'ai un comptoir en Afrique. Ah, non, c'est tu dois donner suffisamment de provinces à ton machin commercial non, de la région. J'ai des bâtiments de comptoir. Ah, alors je sais pas trop, j'ai jamais trop testé, ça, c'est nouveau.
Mais je crois que c'est par province, je crois que tu peux construire ça. En fait, il y a des bâtiments, il me semble, par région et des bâtiments par province que tu as donné à à ta ligue commerciale d'Afrique. De toute façon, tu vas tester. Tu vas tester. Tu as de la thune. Ah non, c'est vrai que t'en as pas. Mais bon, tant pis, tu vas investir et tu vas découvrir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette cochonnerie qui progresse. Je peux pas grand-chose de toute façon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre en prochaine doctrine? J'ai défensive, explo, expansion. Une militaire, une économique. Ah, ça, j'ai repris de la marge en nombre d'états. Dans le chat, vous me conseillez quoi comme prochaine doctrine? Un commandant nous a quittés. T'as combien d'accroissement des colonies? Oh, j'ai un bon taux là, j'ai 175. Je gagne 175 colons par an, j'ai plus de 30% de chances d'arrivée de colons à chaque mois. Je me mets bien là. Tiens, regardons dans le nord où pourtant c'est dégueulasse. 175 aussi. La culture mexicaine est désormais la culture. Quoi? Culture émergente dans les colonies. What the fuck? La contrée Maine adopte la culture mexicaine. La culture mexicaine est désormais la culture principale. Mais principale de qui? De moi? De toi, de tes provinces, toutes tes provinces vont devenir de culture mexicaine. What? Ben, tu es dans le Nouveau Monde et tu es espagnol. What? Je vous avais dit qu'on faisait des gnocchis. Mais attends, et puis je comprends pas pourquoi certaines provinces basques sont devenues Plus de mexicaines, mais pas burritos là. toutes. Et j'ai juste Parce que. quelques provinces qui sont devenues mexicaines comme Oui, ça. et ça va se spread petit à petit. Donc je sais plus comment ça Et qu'est-ce que marche. je fais? Je réaccepte la culture basque ou pas? Parce que du coup, ça m'a désaccepté la culture basque. Et t'es devenu mexicain toi-même, c'est ça? Oui? La culture principale est mexicaine. J'ai trois provinces random dans le pays qui sont devenues mexicaines. Et j'ai 80% de mon empire qui est toujours basque en culture, donc non acceptée. Mais attends, je voulais garder la culture basque, c'est pas normal ça. Ah mais attends, je peux peut-être refaire des basques à la culture majoritaire. Attends, si j'accepte les Attends, basques. est-ce qu'on peut mettre pause Oui. de petite seconde? Oui, monsieur. Regarde, j'ai réaccepté les Basques. Si derrière j'en refais la culture principale, est-ce que ça va stopper le spread de Mexicains? Je sais Attends, pas. est-ce que je peux devenir le Mexique? Alors non, parce qu'il faut que tu aies les territoires du Mexique. Oui, de mon con quand même. Par contre, tu peux devenir le Québec, sûrement. Ah Mais. non, parce qu'il faut être une ancienne nation coloniale, je crois. Oui, faut. Non, faut être une ancienne nation coloniale française en plus. Alors par contre, j'ai un événement qui me propose d'avoir des esclaves sur la Côte de l'Or alors que j'ai de l'ivoire. Est-ce que je l'accepte? Oui, ça me donne 5 de puissance commerciale. L'ivoire, c'est pas mieux? Bah si, mais ça me donne 5 de puissance commerciale. Permanent? Oui, Sur la sur la province? province. Bah oui, pourquoi pas? Pas tout, hein. Et il faut dans mes futurs champs de coton, il faudra que tu m'envoies des esclaves. Saigne, pourquoi mettre en place le commerce triangulaire? Zayn? Oui. Allô, salut. Est-ce que tu peux donner les droits à Zelnit en accueil, s'il te plaît? Ou Dider d'ailleurs. Je sais Ah, pas. il a pensé à me demander à moi, donc je le fais. Ah, tant mieux. Je croyais, je sais pas. Sculpture Merci. principale. Ciao. Mexicaine, Mexicaine, Mexicaine. Alors, a priori, ça se prête de manière random. Mais est-ce que dans le chat, est-ce que je deviens mexicain ou je réaccepte les Basques en espérant couper l'herbe sous le pied au spread mexicain? Qu'est-ce que t'as contre les Mexicains? Mais c'est parce que je suis basque! Je suis basque dans cette partie! Tout le principe, c'était de créer l'empire basque des Amériques. Et puis des Mexicains à Terre-Neuve, c'est quand même bizarre. J'ai colonisé que le Canada et un petit peu le nord des États-Unis actuels. Pourquoi Mexicain?
Qu'est-ce que le Mexique fait à Rutatouk à Québec? Qu'est-ce que ça change? Mais le roleplay, monsieur, le roleplay! Ah, ça, ouais, mais... ça se prenne en continu. Ah, par contre, j'ai un truc super chiant. Je ne connais pas les Aztèques. Donc, je ne peux pas faire de claim sur tous les mecs autour de moi parce qu'ils sont tous vassaux des Aztèques. Ah, t'es bloqué. C'est un petit peu relou ça. Ah, il va falloir que tu progresses un peu. Attends, pour 100 points diplo, les bases coordonnées à la culture principale. Allez, je le fais hein, parce que hop, on va voir si ça coupe le spread. Mais non, justement, on peut pas expulser les. En fait, on peut expulser que les populations européennes, même lorsqu'on a sa capitale en Amérique. Ce qui fait que moi, à la base, tous les Amérindiens là que je bouffe, je pensais les expédier dans le désert californien, mais je peux pas. Et donc, ce sera la même chose. Bon, toujours est-il que j'ai 15% de Mexicains. J'ai remis les Basques en culture principale. On va voir ce que ça donne. Parce qu'à la limite, si je pouvais choper les doctrines mexicaines, parce que je sais que le Mexique a son propre arbre de doctrine, et il me semble qu'en plus il est vachement fort. Pas de doctrine, oui, c'est. Bah ouais, il a pas d'arbre de mission, mais il a ses propres doctrines qui, il me semble, sont vachement bien. Mais si je peux même pas devenir le Mexique. Attends, tu crois qu'il me faudrait quoi, Zayn, pour devenir le Mexique? Je vais regarder. Les provinces que j'ai, je suis pas trop d'accord. C'est, attends, faut, t'as vu, attends, et si je t'abandonne l'Andalousie, tu peux bien me faire plaisir en Amérique. Oh, hein? Attends, et surtout que les provinces qui restent à prendre, c'est les provinces à 20 devs sur du fer, hein, dans le nord de l'Espagne. Alors, colonial Mexico. Mexico est admis formed by any former colonial nation qui a sa capitale dans la région coloniale de Mexico. Voilà, donc tu peux pas. A priori, je pourrais pas. Bah, d'autre côté, est-ce que je suis pas devenu une nation américaine? Non, coloniale. Colonial nation, oui. Une ancienne nation coloniale. Alors, les idées du Mexique, c'est réduction de l'inflation et croissance coloniale en tradition. Plus 15 de croissance coloniale, réduction de l'inflation. Moins 10 de construction cost. Plus une culture acceptée. Moins 5 de séparatisme. Moins 10 idées à cost. 15% de production efficiency. Plus 1 de choc des leaders, 10 de morale et 15 de manpower recovery. Oh, c'est pas non plus extraordinaire. Demande des murs aux frontières. Oui, mais là, en fait, ma population devient soudainement mexicaine. Mais c'est comme si on perdait notre nature basque. Gros placement, on vous dit. Alors c'est quoi? Mani... Manicouagan, c'est de la fourrure, donc on va mettre de la prod. Wagon. Quagan, oui. Est-ce que vous allez aider les Quagan à défendre leur ville? Hop. A priori ça a marché. Mon plan a marché, Zayn. J'ai coupé l'herbe sous le pied au spread mexicain. Donc tu veux pas être mexicain? Bah pourquoi je serais mexicain? Enfin, je suis toujours navarre. Le truc c'est que si on est pu devenir le Mexique, je t'aurais dit ok, no problème. Mais je suis navarre, je vais rester navarre avec écrit gros navarre en Amérique du Nord. Je reste basque dans ce cas-là. Qu'est-ce qui est dégueulasse de pas pouvoir devenir Mexique? Justement que tu restes navarre, que tu aies pas un nouveau nom. Oui, mais ça, alors ça c'est dans l'ordre de la mission, ça aurait dû être puisque on aurait dû s'appeler Terra Nova, mais bon. C'est comme t'es avec le Portugal, t'as la mission former l'Empire lusitanien, qui te fait rester Portugal, mais ça, c'est quand c'est, tu valides cette mission, tu gagnes des bonus quand tu as unifié Libérie. En fait, ils devraient assumer leur délire, quoi. Ça donne l'impression qu'ils assument pas tout à fait. Toi, ils mettent des trucs fun sans aller au bout. Ah ouais, c'est comme l'arbre de mission que t'as fait. À part te coloniser Cré Terra Nova et ensuite, on va dire, occuper le Saint-Laurent, t'as pas d'autres missions. Genre, ils pourraient avoir des missions pour aller coloniser toute l'Amérique, par exemple.
Oui, bah après, c'est, on va dire, c'est déjà pas mal. Ils ont mis un arbre de mission. On a quand même 10 missions spécifiques avec le Pays Basque. Pays Basque, Oui. avec la Navarre, tu vois, c'est monoprovince et tout. Ça, je m'en plains pas parce que c'est déjà du bonus que la Navarre ait une série de missions à elle en plus des missions génériques. Donc, je vais pas me plaindre de ça. Au final, tu vois, il y aurait pas de mission sur la Navarre, ça choquerait personne. Donc. Et maintenant qu'il y en a, il y en appelle de toujours plus. Oui, mais c'est mieux que tout un tas de petits pays dans le monde. Tu vois, Courlande, Livonie, Courlande et Teutonique n'ont pas d'arbre de mission. Par exemple, pas du tout. Alors même que tu peux former de nouveaux pays, etc. Bon, quand tu deviens le Teuton, tu récupères le Teuton. Quand tu deviens la Prusse, tu récupères l'arbre prussien. Mais de base, le Teuton et Livonie n'en ont pas. C'est un peu dommage. Et la Courlande, pays formel, n'en a pas. Donc je vais pas me plaindre que le Navarre n'en ait qu'une dizaine. En revanche, ils devraient assumer leur délire et quand tu formes l'Empire lusitanien ou quand tu formes la colonie de Terra Nova, bah, tu devrais te prendre le nom en question. J'espère qu'on parlera pas de la série du même nom. Mais elle était très bien la série Terra Nova, avec des graphismes de Non. folie, des Non. créatures impressionnantes, un scénario extraordinaire. Ah merde, je saigne du nez. En plus, elle pouvait être très bien, elle était produite par Spielberg. Tout ce qui est produit par Spielberg, c'est très bien. Non? J'ai quoi comme dynastie au pouvoir? Des Haro. Par contre, du coup, bah voilà, j'ai une culture mexicaine dans certains territoires. Mais surtout, ça, on devrait choisir, quoi. C'était bizarre qu'on m'impose comme ça. Au fait, salut, bonjour, tu es mexicain. T'es pas d'accord? Ben, on s'en fout. Voilà, 175 colons à l'année. Ça, c'est cool. Chut, Didier, tu te fais du mal. Ouais, mais non. Enfin, voilà, quoi. Je crois que j'ai même pas regardé. Il y a eu qu'une seule saison de Terra Nova. Oui, ils Je sont crois que arrêtés j'ai sur. jamais vu la fin. Ah, J'avais t'aurais dû lâché, les j'ai pas regarder. vu les derniers épisodes. T'aurais dû, c'est très drôle. Genre, ils finissent sur un cliffhanger. En fait, ils trouvent. Je te le dis ou Oui, tu. donc je veux dire, parce qu'il y a peu de Mais en chances que fait, je. ils trouvent en fait une proue de navire viking. LOL. Oui, je te promets. Ah oui, quand même. Genre, ah oui, on n'est pas les premiers. Surtout dans un univers C'est-à-dire que le parallèle. scénario partait plutôt sur une sorte de Ah complot oui! venu de la Terre, Raider, de non, 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 pas l'argent. du tout. C'est un univers parallèle. En fait, ils avaient envoyé une sonde et vu Oui, non, qu'ils l'ont c'est jamais bien. Oui, retrouvée. mais justement, mais il y avait des histoires par rapport à quoi? Il y avait des mecs venus de la Terre qui voulaient prendre le pouvoir ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc bizarre Oui. de. Non, c'est qu'en fait, il disait qu'en fait, le portail marchait dans un seul sens. Il y avait un type, il commençait à, on va dire, avec ses expériences mathématiques, à trouver le moyen de faire un aller-retour. Leader. Oui. As-tu vu cette grande nouvelle? Quelle grande nouvelle? Ah, t'as pas regardé les événements, toi? Non, du tout. Qu'est-ce que j'ai raté? Le commerce User triangulaire. disconnected Ah, from new donc. channel. Ça y est. Bah, envoie-moi des esclaves. Hein. Moi, j'en ai pas, mais je vais en avoir besoin dans mes plantations. Ah, mais j'envoie des esclaves à tous ceux qui veulent en acheter. Alors, sachant que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de tabac. J'ai surtout des fourrures. Je suis trop dans le nord. Mais j'ai commencé à faire quelques princes de tabac. C'est quoi le bonus du tabac d'ailleurs? Puissance commerciale locale plus 10. Et le bonus mondial du tabac, c'est quoi? Ah, la fourrure aussi, c'est commercial plus 10. Colonie autosuffisante. J'ai pas fait gaffe, mais quand je demandais si quelqu'un avait une idée pour une doctrine, est-ce que quelqu'un a répondu? Notre chat. T'as quoi déjà? Appelé. T'as Actuellement? déjà une nouvelle doctrine? Bah la quatrième, oui. Bah tu dois y C'est être. déjà la quatrième doctrine? Mais toi, t'as un Mais attends, pays tu me traitais d'arriéré. d'arriéré tout à l'heure. T'es encore plus arriéré que moi en fait, Zayn. Alors, on a des priorités. Tu vois, moi, je suis tech 14 militaire, toi, t'es tech 10. Non, Tu je suis. vois? Alors, non, je suis tech 13 militaire. Voilà. Ah oui, en Et. fait, t'es bien en diplo et en militaire, mais t'es à l'ouest en admin.
Ça Du coûte coup, cher t'es un là coup où... et tout ça. t'en es où en doctrine? T'es au même niveau que moi. C'est juste, ok, c'est juste l'admin que où tu es en retard. Ah mais ça va te mettre en retard en doctrine tôt ou tard. Tu avais le choix de garder la culture de nos pères, hein? Attends, par rapport au Mexique? Attends, je vais regarder le replay parce que la culture mexicaine, il me semble que c'était pas un choix, hein, c'était imposé. Hop. C'est un petit peu avant, j'y suis presque. Alors, nous devons adopter la culture mexicaine. Ah putain, il y avait un choix. Ah bah non, alors j'ai rien dit, a priori il y avait un choix. Bah bravo, dealer, il lit pas les events et après il se Bah, plaint je sais quoi. pas, moi j'ai l'impression qu'il y avait, sur le moment j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'une seule ligne. C'était adopter la culture mexicaine et ferme ta gueule. Pas grave, ça me fait un peu de brassage culturel, j'ai quelques Mexicains. Ouais, mais c'est vrai qu'à terme ça va être chiant parce que bon, en fait j'ai pas de culture acceptée donc je peux les garder. Bah, sachant que bon, à terme, tu vas un peu épurer ethniquement toute la région. Pardon, faut pas le dire, c'est. Non, faut pas dire ça, faut dire assimiler. C'est ça, tu vas assimiler toute la région. Pour l'instant, je les assimile religieusement. On va voir pour la suite. Après, bon, techniquement, si tu étais vraiment coupé du continent européen, peut-être qu'il serait été l'inverse. Tu te serais fait absorber par les locaux. Oh là, on est trop nombreux. Le truc, c'est que le jeu, tu sais, ne gère pas la démographie Oui, ça je sais. réciproquement. Donc Non, mais je te parle là en termes de là, RP, on mais quoi. submerge littéralement les locaux. Doctrine navale évidemment. D'accord. Et à part navale, il n'y a pas quelqu'un qui a une idée un peu plus mieux? Répète, tu as quoi déjà? Actuellement, j'ai défensive, exploration et expansion. Donc, mais tu veux. Ouais. Tu veux quoi, la militaire ou enfin ouais, c'est quoi ce que Je me tu tâtais décides? entre une militaire et une admin. Ou à la limite commerciale. Commerciale pour contrôler tout le commerce de l'Amérique. Tout le commerce de l'Amérique finisse à Terra Nova. Tout comme tout le commerce de la planète finissait à Terra Nova hein, dans la série. Alors, tout le commerce de l'Amérique qui ne passe pas par les Caraïbes, n'est-ce pas? Même sur les Caraïbes, monsieur, tout J'irai m'appartient. Oh. que commercial, c'est un peu tôt. Que Un peu t'es quand tôt. même. En cinquième alors, du coup en quatrième je prendrais quoi? Et alors, Bon, je regardais peut-être naval par militaire. curiosité, mais je crois que les policiers de toute façon sont pas intéressantes et puis Moi, bon j'irai du coup. quantité, peut-être. Pour Quantité? contrebalancer. Ouais, vu que t'as des provinces qui sont pas très chères, histoire de contrebalancer. Enfin, pas très développé. Je vais regarder, mais je crois que quantité, j'ai pas les bonnes. Après, faut que je fasse par rapport aux policiers aussi, et je crois que Ouais, quantité, j'ai pas les trucs très intéressants. elles Quantité, ont c'est bien changé. avec économique. Alors là, j'ai explos, faut que je vois. Attends, je vais regarder d'abord. Attends, merde, Mais il me naval. semble que l'explo, tu as avec ah il y en a une qui donne un gros boost de Maintien des manpower états. avec exploration. Mais peut-être ça a changé depuis Engagement la. global. Alors, quantité. Quantité et expansion, ça donne 10 de croissance coloniale générale et 10 de limite terrestre. Et quantité explos, ça donne 10 de MP et 1 de manœuvre des généraux. Économique, explos, ça donne droit de douane. Défensif, ça donne rien d'intéressant. Qualité, ça donne quoi? Feu des commandants terrestres plus 1. Recouvrement du MP. 10%. Ouais. Et Aristo, tiens. 33% de MP. Ah tiens, ça c'est déjà pas mal. Et coût de construction moins 15. Je sais pas non plus. Bon, pour le coup, c'est vrai que quantité au moins me donnera un bonus de croissance des colons. Histoire que je monte à 185 de croissance de colons annuels.
Arctique. Ah ouais, putain, on est déjà dans l'Arctique là. Quantité va bien avec défense. C'est vrai que j'ai débloqué, c'est toutes mes doctrines nationales. Nous devons protéger notre économie. Bien sûr, protectionnisme avant tout. Je vais buter. Ils n'ont pas à passer sur mes terres. Ah oui, mais c'est pour ça que les techs me coûtent aussi cher. Ah, j'avais oublié ça. Je comprenais pas pourquoi j'étais en retard tech, mais maintenant je comprends. Pourquoi tu es en retard tech? Bah parce que j'ai toujours pas adopté l'instit. Attends, qui me tire... Ah putain, la Grande-Bretagne me tire de l'argent. Elle réussit à me tirer de l'argent au Saint-Laurent. La France un petit peu. Et l'Angleterre, 19%. Les nappes. Les nappes. Ah putain, c'est sauvage là qu'il faut que je bute. C'est braves Amérindiens que je dois civiliser. Alors, c'est quelle colonie qui est terminée? 901. Ah, c'est un Caraïbe. Hop. Il est temps d'apporter la situation à ses primitifs par le napalm. Ah, mais le napalm, c'est un peu moderne. Le feu grégeois. Ouais, trop tard. Le feu grégeois? Non, Allez, bah là, c'est attends, fini à ton époque. tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est pas démodé. Il faudrait d'abord que tu te rappelles de la formule, je te rappelle. En cherchant un peu et en innovant un peu, on l'a bien retrouvé la formule. Dès que des gens se sont sérieusement penchés dessus, on l'a retrouvé. Donc, T'es sûr? Je à l'heure crois actuelle, pas. si, mais si, on sait très bien ce que Il me c'est la semble que c'est formule. le plus proche, mais que c'est pas exact. Oh, alors, ça Il me semblait qu'il y exactement. avait 2-3 divergences Alors avec les. c'est moi je sais, les dernières recherches qui ont été faites, on a retrouvé exactement ça a exactement les mêmes propriétés que ce qui était décrit. Ah, d'accord, moi je pensais. Ah si si. Si si si, notamment la propriété qui paraissait un peu exagérée, que ça brûle même sur l'eau, bah y a pas de souci. Avec le bon dosage de salpêtre en plus du naphte, y a pas de problème. Ah merde, mais ils avaient pas de morale. Ah. Les bourgeois, oui, les bourgeois seront contents. Allez hop. Le seul truc triste, j'ai pas encore trouvé de mine d'or. Mission. Ouais, faut juste que je colo l'île, d'accord. Une, deux, trois, ouais, il m'en manque quatre provinces et je pourrais valider ma dernière mission.
5 de dev, 6, 5 encore, 6. Où sont les provinces à 10? Ah, bah il y en a une là. Ah, la guerre de ligue a déjà eu lieu et est déjà finie? Ah bon, on est 1582, ça commence. On a dépassé notre province papouille baltique en termes de date. Mais on a eu l'event de la guerre de ligue au début de session. La France est sacrément grosse. T'as pas peur du jour où elle se tournera vers le sud? France a officiellement annoncé que Navarre était désormais son rival. Zane, il va falloir que je te vende des terres, un de ces quatre. Il se trouve que pour l'instant la France a envie de certaines de mes provinces. Tu sais quoi, je suis sûr que je vais avoir plein de points de faveur pour faire monter. Je vais te faire des transports en plus pour le jour où je devrais ramener. Et on veut faire monter la confiance de la France. Ouais, prépare l'exode. Non, mais le jour où je devrais ramener surtout mon armée en Europe. Ah, mais c'est parce qu'il doit avoir une mission aux Caraïbes qui me déteste. Pouf, allez, on va convertir les totémistes. Ah, une comète. Cochonnerie. Alors. On va aller bouffer de l'Iroquois maintenant. Nouvelle Biarritz. Pourquoi? Pour nommer une colonie? Ils ont non, quoi, limite, écrit là complètement en basque. Hein. Fourrure. Nous, du cuivre là, quand même. Trouve l'équivalent de nouvelle en basque. Nova. Eh non, c'est du latin là. Non, c'est pas... Nova, c'est ça veut oui, pas mais... dire. Alors, oui, mais justement, dans l'histoire du peuple basque que j'ai écrite. Rome a été fondée par les Basques. Les Romains étaient des Basques. C'est bien connu. Après tout, si les Russes se proclament descendants de l'Empire romain, pourquoi pas moi? J'ai envie de te dire pourquoi pas, après tout, c'est vrai. Tiens, des anglais. J'ai fait une partie une fois avec le mode. Quand le monde cesse d'avoir un sens avec les derniers basques Euskari, religion réformée, c'était assez drôle. Avec les cultes de la chèvre noire. Attends, c'est quel mode qui faisait ça? Quand le monde cesse d'avoir un sens pour CK2. Ah, sur CK2. Tu pouvais réformer la religion basque. C'était assez mac. Ce qui est dommage, c'est que Chatred Europa n'est pas eu de mise à jour depuis très longtemps. J'ai fumé quoi? Bah rien d'extraordinaire, hein. Les Russes ont bien inventé le récentisme, pourquoi moi je pourrais pas aller me trouver des liens avec Rome? Ah, wipe, ça fait du bien. C'est les Ottomans les héritiers de Rome, mais non, ça c'est un mensonge. Même chose pour Byzance. C'est nous les vrais Romains. D'ailleurs, on va les fonder. D'ailleurs, Terra Nova, c'est la quatrième Rome. Leader, tu te rends compte que la Catalogne est vraiment plus sympa que toi? La Catalogne est plus sympa que moi? Oui. Par contre, t'as vu le Moyen-Orient, Zayn, la gueule qu'il a?
Oui, l'Ottoman se fait marcher dessus en fait. Ouais, putain, non, Venise. Oh, putain. T'as vu que Venise s'apprête à reformer Byzance? Bah, en fait, l'Ottoman s'est fait marcher dessus deux trois fois, donc ça m'étonne pas. Putain, c'est violent. Comment? Parce que ça arrive pas souvent. Putain, le Kara est gros, déjà, le Mamelouk début, est gros. Il s'est fait défoncer dès le début dans sa guerre contre l'Albanie. Ah ouais, mais il n'avait pas perdu de terre. Par contre, c'est vrai qu'il avait été salement occupé par l'Albanie. Mais au final, il a fini par la bouffer. Il avait eu une deuxième guerre où il l'avait pété. Mince, j'en ai oublié ma propre guerre. Lol. Avec combien de monde? Les Lenapes, les Assiboines et les Iroquois. Par contre, le Ming il est gros. Hein. Tu le vois ou tu estimes ça d'après. Ah non, je le vois, il est gros. Ah, parce que moi je vois pas encore la Chine. Parce que c'est un des derniers endroits de la map que je ne vois pas. Le Mamelouk va être très gros. Alors je vois la Chine depuis le début. Hein. Non. Oui, si oula, on voit le Mamelouk. Ah, les musulmans ont une... Oui, parce que t'as une meilleure vue sur l'Orient dès le départ. Le Mamelouk approche de 700 devs. Mais c'est... moi, c'est Venise là, qui me vend du rêve. J'aimerais bien l'avoir formé Byzance, ce serait drôle. Alors, par contre, moi, il y a des choses qui me plaisent pas. Alors, il va falloir que je règle ça d'une façon ou d'une autre. Attention. Non, c'est pas possible. Craignez le Zayn en colère. Comment la Toscane a une province en Afrique? Je sais pas, oui, elle l'a prise dans une guerre à quelqu'un qui est écolo. Zayn, t'es là? Oui, je suis là. Alors Zayn, pourquoi je suis pas d'accord avec toi? En fait, machin Sky, oui, machin, si j'avais utilisé le machin Sky sur le Sven, j'aurais pu assassiner le Sven. Oui, on est d'accord, mais sauf que pourquoi si j'avais debuff le Sven avec le machin Sky, j'avais peur que... Il fout un item ou autre en fait, et que du coup le machin Sky je disais pour rien. Voilà. Mais du coup tu l'as pas utilisé une seule fois quoi. Oui, c'est possible, ouais, en effet. C'est vrai que je l'ai gardé en me disant ça pourrait servir au tour suivant, au tour suivant, au tour suivant, et ça n'a pas servi. C'est vrai, j'aurais dû le faire. Hein. Et t'as vu le draft, le dernier draft, il est pas mal. Non, je l'ai pas vu, la vidéo s'arrêtait après la game. Attends, c'est une game où je suis en 2-0 non? Non, je sais plus. Le récentisme. Alors le récentisme, c'est la théorie comme quoi le Moyen-Âge n'a pas existé. Oui, alors ça faut pas en parler, hein, parce que... Ah bah, il faut que les gens soient au courant que ce genre de lubie existe. Oui, comme l'invasion des pingouins par le pôle Nord, tout ça. Surtout que je sais dire que c'est Kasparov hein, qui défendait cette théorie. C'est pour ça qu'il est devenu très populaire en Russie. Parce que les gens se sont dit, putain, s'il y a un champion international d'échecs la défense, c'est que ça doit pas être totalement. Ça doit pas être totalement de la connerie. Logique. Ah, ça y est, il est mort, Marcel là. Ok. Le terroriste là, de Strasbourg, il est mort. Ah, il a été tué? Ouais, par un raid. Et du coup, alors oui, c'est une théorie. Alors, c'est une théorie essentiellement d'Europe de l'Est, mais qui a eu des échos dans les milieux complotistes un peu partout en Europe. Comme quoi, le Moyen-Âge aurait été, en gros, inventé le Moyen-Âge serait une duplication de l'Antiquité. Qu'en gros, Charlemagne, c'est Auguste, et des trucs comme ça, que Othon II, fondateur de Saint-Empire, c'est Trajan, des trucs comme ça. Et qu'en gros, c'est pour donner une légitimité au pape et à l'Église, les jésuites auraient fabriqué l'histoire en dédoublant des règnes, en rallongeant des règnes, etc. Et c'est à quel profit, orthodoxe ou même les athées? Bah, non mais les jésuites c'est pour le pape, c'est pour les catholiques. Non mais je te dis, mais justement, ceux qui défendent ces théories, c'est pour quel profit? Pour les orthodoxes, pour les athées tout simplement. Profit, je sais pas. Bah d'un autre côté, ça permet en fait d'éclipser une partie de l'histoire. Alors, du point de vue des Russes, hein, pour le coup, mais après, pour les autres, je sais pas. Mais du point de vue des Russes, ça permet d'éclipser une partie de l'histoire où la Russie ne fait pas grand chose. Alors sachant que au sein des récentistes, il y a trois tendances.
Il y a trois tendances parce qu'ils sont pas d'accord sur la période. Il y a les récentistes, il y a le petit récentiste qui dit qu'il y a 300 à 400 ans de rajouter. Il y a les récentistes moyens qui disent qu'il y a 700 ans. Et il y a les gros récentistes qui disent qu'il y a quasiment un millénaire d'histoire inventée. En gros, entre l'an 500 et l'an 1500, on a tout inventé. Bon, après, ce que tu dis, les Russes, ils ont pas fait grand-chose quand même. Bah non, pour le coup, non. Pendant le Moyen-Âge, t'as les principautés russes se créent, les principautés russes s'entretuent, les principautés russes se font victimiser par les Mongols et deviennent Oui, enfin, la Russe de Kiev a été quand même assez étendue jusqu'à justement les Mongols qui ont mis le coup d'arrêt à une expansion qui aurait pu tout de suite être plus grosse, en fait. Ah non, leur expansion s'était arrêtée bien avant, justement. Ils avaient été arrêtés d'un côté par la Pologne et de l'autre côté par les peuples des steppes. Notamment les Kipchaks qui les avaient pétés plusieurs fois. Non, oui, la Russie de Kiev, justement, la Russie de Kiev, parce que son expansion était bloquée depuis longtemps, au moment où les Mongols arrivent, et parce que l'expansion était bloquée, justement, les principautés, c'était, en gros, l'unité des principautés s'était désagrégée, elles se faisaient la guerre entre elles. Toujours est-il que pour les nationalistes russes, ça permet d'éclipser, voilà, en gros, ça permet de passer directement, toi, de la création de la Russie de Kiev à la Moscovie. À la Moscovie, mais la Moscovie conquérante, unificatrice de la Russie. Donc c'est pratique. Après, c'est aussi à partir de, comment dire, de la chute de la Russe de Kiev que s'est formé, on va dire, le schisme entre Ukrainiens et Russes, on va dire. Enfin, schisme, je dis séparation, on va dire. À l'époque, la Lituanie, c'est pas grand-chose. Hein. C'est un petit territoire qui résiste au catholicisme et qui est plus en conflit justement avec la Pologne et les Teutonies qu'avec les orthodoxes. C'est pas encore la grosse Lituanie qui, elle, apparaîtra après les invasions mongoles. Mais voilà, toujours est-il que c'est ça le récentisé que vous avez donc. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est le Moyen-Âge n'a pas existé. Il y a trois tendances, la petite, la grosse, la moyenne. Et voilà. Et bon, c'est du gros n'importe quoi, hein, parce qu'ils sortent des trucs très intelligents comme, mais oui, une preuve, c'est que la Renaissance, c'est quoi? C'est l'art antique, c'est la redécouverte, l'expression de l'art antique, mais on vous ment, en fait. Il n'y a pas eu de transition entre la Renaissance et l'Antiquité, parce que ce sont deux périodes qui se rejoignent. Et que c'est pour ça que l'art, les palais, etc., de la Renaissance ressemblent étrangement à ceux de l'Antiquité. Des grandes réflexions dans ce genre-là. Ah, c'est, j'ai découvert tout le Markland. Labrador pour les intimes. Demandez la paix. Je pense que prendre une coade amérindien, je survivrai. D'accord, Zayn? Oui. Ah bah attends, je vais leur laisser une province parce que je suis pas chien non plus. Ah, mais si je reprends de la thune, la trêve va être d'autant plus longue. Ah bon? Si on prend de l'argent dans une paix, ça augmente le score de guerre, donc ça augmente la durée de la trêve. Ah, je savais pas du tout ça. Du coup, un truc. J'hésite, je vais peut-être leur laisser. Si je leur laissais un peu plus de province, peut-être qu'ils feront du dev dessus. Ouais, je vais leur laisser deux provinces. On verra ce qu'ils en font, dans le doute. Hop. Eh, qui sait, j'aurai peut-être la presse imprimée quand il y aura le. C'est quoi la prochaine là dans 15 ans là, c'est pas le commerce mondial là? Ouais. Oh putain. Et d'ailleurs, le commerce mondial, il va falloir qu'on se batte, Zayn, pour le faire popper quelque part où c'est bien. Ah oui, donc pas à Gênes, quoi. C'est Gênes, la province la plus riche actuellement? Oui. Et de loin, 40. Ah ouais. Et attends, Séville, ouais, Séville, t'es à la ramasse. La Manche, ça nous arrange pas trop. Bah, à la limite, Gênes, c'est pas trop de la merde. C'est mieux que d'autres. C'est mieux que la Chine ou je ne sais quoi. Attends, qu'à faire, je préfère que ça pop chez moi. Où ça. À Séville? Ah ouais, mais comment tu. Là, ça va être compliqué, hein. Et il faudrait que tu réussisses à freiner énormément le tirage sur Gênes et que tu tires déjà beaucoup de Tunis, donc
Bah faut, je sais pas, faut qu'il y ait beaucoup plus qui viennent d'Amérique, Zayn, et que tu arrives à empêcher le commerce de se barrer à Séville. Il faut Que plus la de gêne. colons. Et il faudrait que tu bouffes le Maroc et que t'envoies tout Safi à Séville. Aussi. Oui, non, le Maroc, ça t'aiderait bien, pour le coup, Zayn. Ah, si j'acceptais les Iroquois, ils sont vachement nombreux. Je vais peut-être accepter les Iroquois, tiens. Pour montrer que les Basques sont tolérants. Comment ils expliquent que 44? Non mais c'est des gens. C'est des gens. En fait, c'est des gens qui. C'est une théorie du complot. Une théorie Non du mais c'est les complot mêmes qui pure et disent que les dure. pyramides c'est les aliens, Voilà, mais hein. c'est des gens qui sont dans la théorie du complot pure et dure. Donc le carbone 14, ils s'en foutent. Si tu leur dis il y a eu des datations, ils vont dire mais elles sont fausses. Et si tu leur dis mais comment ça? Ils vont dire bah oui, c'est truqué pour nous cacher la vérité. Et à partir de là, tu peux pas. Voilà. Il réfute l'argument du carbone 14 en disant que on peut pas dater parce que. Enfin, on peut pas dater de manière fiable parce que ceux qui datent, ils sont entre les mains du système. Fin d'histoire. Tu as vu la théorie récentiste du matriarche? Du Alors matricien? déjà, du matriarche déjà, c'est pas trop. Le matri. Matricien sans doute. L'Europe de l'Est qui veut oublier qu'elle n'était pas très développée. Bah, après, c'est même pas ça, au final, parce que, attention, en plus, c'est une théorie russo-polonaise, pour le coup. Enfin, du moins, c'est ce pays où ça a eu le plus d'écho. Après, l'Europe de l'Est, c'était pas dégueulasse, hein, au Moyen-Âge, mais les invasions mongoles, par exemple, la Hongrie, c'était un royaume très, très riche et très développé, au Moyen-Âge. C'est juste qu'ils se sont pris de plein fouet l'invasion mongole, et ça laisse des traces. Attends, pour les Hongrois, ils sont pris l'invasion mongole. Ah oui. Ah bon? Ah, T'as purée. un tiers de la population qui a fui en Bohême et dans le Saint-Empire, et un tiers qui est morte. Ah, je savais pas Donc du tout ça. va reconstruire un royaume prospère après ça. Je pensais que c'était surtout la croisade ratée contre les Ottomans qui les avaient mis à genoux. Ah non, bah non, mais surtout non, ce qui à la limite les invasions, l'invasion ottomane, oui, l'occupation ottomane, ça leur a fait mal. Non, la croisade ratée, tu t'en fous quoi, c'est Non, c'est que des cons qui ont été mourir en Grèce, donc. Oui, non, mais c'est-à-dire ça les a offert entre guillemets aux Habsbourg et ils ont pu les. Ah non, D'ailleurs, non, ils ont. non, c'est bien après. Oula, attends, la croisade ratée contre les Ottomans, c'est en 1380. T'as celle de 1396 et t'as Et t'as celle de 1400 et quelques. 1443 là, Oui, qui a juste lieu avant le juste avant début l'Europe. de repas. Oui, mais oui, non, mais les Habsbourg, c'est bien plus tard hein, qui récupère la Hongrie. C'est oula, c'est plus Ah d'un bon, vous siècle n'avez pas une après. union personnelle Ah non, c'est quasiment plus d'un siècle très vite après. Ouais, après? Non, 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 c'est bien après en fait. Ça vient avec. Bah, avec l'occupation des trois quarts de la Hongrie par les Ottomans. Et donc Ah on est d'accord. sous Soliman Ier, on est en 1530. Ah d'accord. Non, plus d'un siècle après le début, un siècle à peu près après le début du jeu, hein, l'Union. Et c'est parce que la Hongrie, il a été quasiment entièrement occupée. Du coup, les Habsbourg se proclament défenseurs de ce qui reste des Hongrois libres, et de fil en aiguille se proclament roi de Hongrie. Ouais, même. Au final, bon, ça les. Même si les décennies qui ont suivi ont été un peu ardues avec Vienne quasiment assiégée. Après, ils ont quand même réussi à reconquérir. Bon, au final, Vienne a été assiégée que deux fois. Hein. Oui, deux fois, et en plus, bon, voilà. Et entre-temps, il y a eu de longues périodes de trêve. Et toi, tu bosses pour le système. Comme j'ai déjà raconté plein de fois, je me suis fait traiter d'agent du système hein, par un complotiste. Enfin, un complotiste avec qui je discutais de la Seconde Guerre mondiale sur une vidéo YouTube. Mais il m'a sorti une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, toi, tu es un agent du système ou pire encore. Alors, je me demande ce que c'est que le pire, hein, quand Mais même. j'ai jamais su. J'ai eu beau tenter de discuter avec lui, j'ai jamais su ce que c'était le pire encore. Je suis pas un reptilien ni Illuminati. Ah, bah si, Zayn, c'est logique. Agent du système, chef du système. Ah, vu comme ça, oui. Et pire encore, c'est le mec du grade au-dessus. Illinois. Dans la culture illinoise, on la fera disparaître. On la civilisera. Dans le calme. On leur donnera le nom de la province, comme ça ils feront pas chier. Alors j'ai quoi comme ressources là? Je sais que j'ai eu du tabac et du sucre et encore du sucre. Putain, je pourrais pas avoir du café. C'est bien le café, je crois que ça c'est l'une des meilleures ressources en valeur. Je sais pas ce que font les nations coloniales dans cette guerre.
Tu fais la guerre à qui là? Aux Aztèques. Et ils viennent pas t'aider? Bah, je sais pas où ils sont. Alors, a priori, t'as Cuba. Alors, Zayn, je veux pas te perturber, mais ta Cuba n'a pas l'air d'avoir de troupes, elle a juste des bateaux. Si, je vois un minimum 5000 hommes sur ces îles. Hein? Attends, ah, mais. Ah, j'étais trop loin, je vois pas toutes les îles, effectivement. Bah, ils sont là pour empêcher les révoltes. Les révoltes à Cuba, oui. Je te crée un site agentlesystème.org. Aïe aïe aïe. Désinformation systémique. C'est vrai que j'ai un roi nul, moi, qui est au pouvoir depuis quelque temps déjà. Ouf, allez, on va convertir les derniers totémistes. Peut-être que je réussisse l'émission Diplo, s'il y a moyen. Alors. Depuis, on contacte une alliance avec Navarre et on a 150 de relations avec Navarre. Alors, Zayn, faut que tu aies 150 de relations avec moi, il faut que je trouve une IA compatible. Je suis protestant, j'essaie de trouver une protestante. Ah là là, Dider, tu te charges des petites protestantes. Oui. Des petites protestantes toutes chaudes, qui n'attendent que l'amour et l'amitié de leur sauveur. Bon, globalement, je sais comment générer plus de fric, mais c'est long et compliqué. Mais une fois que tous les Mexicains sont morts, j'ai juste à pousser le... Oh, c'est moi les Mexicains. Les Aztèques, pardon, les Aztèques. Ils sont très gentils les Mexicains. Ah là là, Mandalore. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Alors, ça c'est quoi? Les Hurons. Alors, Gilan s'apprête à attaquer Ajam, le sang va couler. Merci de l'info. Tiens, on perd ce qui domine. Je crois que j'ai vu un gros Timuride. Effectivement, on a un gros Timuride. Alors, tu vois, la Sardaigne se bouge, et Cuba ne se bouge pas. C'est un peu déprimant. Oh, c'est sur le continent, tu vois, peut-être que Cuba considère que ça la concerne moins que les autres. Parce que, attends, c'est quoi les objectifs? Ah oui, après savoir. Avoir deux sujets non tributaires, d'accord. Donc j'en ai un, il faudrait que je chope un deuxième vassal. Ah, j'ai besoin d'un diplomate supplémentaire, c'est trop emmerdant d'en avoir que deux. Bon, le Danemark est en PLS, adieu le Danemark. Je vois ça, et ça serait le moment pour moi de l'attaquer. Est-ce que faire libérer des pays, ça fait augmenter l'aggressive expansion? Non, si tu fais juste libérer le pays, d'accord. Non. Est-ce que, Dider, par ouais. Pur hasard, tu n'aurais pas 2000 ducats en stock? 2000 ducats? Alors, absolument pas. Pense à ton ami qui doit prendre son institution. Tu l'as pas encore prise? Mais non. J'ai absolument pas 2000 ducats à Misaine. Alors,
Yo. Aurais-tu 2000 ducats à Vilcoyote? Non. Bon, tu sers à rien alors. T'as coupé le Twitch ou alors c'est moi qui. Moi je suis sur Twitube. Ah, ça doit être ça. Je n'ai pas été sur Twitch ce soir. Ça m'en bouffe des points admin de Corée tout ça. Il me faudrait des navires lourds là. Ah bah mes marchands, attends. Ah. Tac tac tac, réquisition de vaisseau, 5 carac. Voilà. Filez-moi 5 carac, avec ça on va aller bouffer l'Islande. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans le chat? Ah, c'est au paf qui me disait que le Twitch était. Bon, il y a du monde sur le toit tube, je vais rester sur le toit tube. Zen, c'est le mec blindé mais qui te demande toujours de la thune. Oui, mais c'est ça. Surtout que je rappelle, au début de la partie, il avait 72 de revenus. Et ça a dû croître encore. Non, mais leader, t'as pas compris, Europa, c'est un jeu d'investissement. T'as toujours de la thune à claquer. On est d'accord, mais il demande à plus pauvres que lui s'ils ont pas de, si t'as pas de l'argent à lui filer. Mais je suis sûr qu'il y a des meilleurs investissements à faire que toi, tu vois. Je suis pas sûr, lui donner de l'argent. Milcut, je commence à avoir plein de j'ai plein de fourrures, plein de plantations de canne à sucre et de plantations de tabac. Et plus je dirige vers le sud, plus je vais avoir de coton. L'Espagne n'est pas à l'inverse, n'est pas reconnue, tu vois, pour ses super ressources en dehors de quelques exceptions. Non, mais le Mexique, oui. C'est vrai, mais oui, ça, c'est ton état colonial. Oui, mais bah, c'est pas... de l'argent qui va m'envoyer. En fait, oui, mais seulement une partie. C'est beaucoup moins rentable de construire au Mexique. Mieux vaut construire sur des ressources de faible valeur chez toi que de construire sur des ressources de haute valeur au Mexique au final. Non, c'est déjà ça. En fait, c'est pour mon institution que j'ai besoin d'argent. Mais en fait, Dider, je me demande un truc. Est-ce que tu contrôles les Caraïbes? Non, c'est moi. Sinon, j'allais dire, Dider, vous faites moite-moite sur les Caraïbes et construire au Mexique, ça arrange les deux, tu vois. Bon, rien, Dider, sinon si t'as trop d'argent, tu prêtes de l'argent à Zin. Mais j'ai absolument pas trop d'argent, ouais. Et tu lui prêtes 1000 balles à un taux de 1% et puis il va te les rendre de toute façon. Alors, sinon tu lui déclares la guerre et tu lui pètes sa gueule. Attends, ils vont se construire où mes bateaux? Non, c'est bon, j'ai trouvé 1000 balles. Tu veux aller voir les marchands, c'est ça? Non. Les juifs? Non plus. Ah. Quand on fait construire des bateaux, c'est pas sur les capitales qui sont censées apparaître, les 5 carac? Non. Elles apparaissent où? Là où il y a des marchands, déjà. Là où il y a des marchands, c'est pas clair ça. Attends, je vais regarder. Ah, alors. Il y a bien des provinces avec des marchands dessus. Ah bah attends, c'est construit à Bizacay. Pourquoi c'est encore construit en Espagne? Bizacay? On dit pas Biscay? Moi je dis Bizacay. Non, c'est Bizacaya, mais bon, peu importe, j'appelle ça comme je veux, je suis basque, hein. On connaît mieux notre langue que vous, les sales chiens étrangers. D'ailleurs, tu es basque. Oui, je suis basque. En vrai de vrai. Mais oui, bien sûr, à 100%. Tu sais, un basque des îles. Ouais, bien sûr. Alors, caracol remplace le reître. Est-ce qu'il y a des risques de révolte immédiat? Il y a des risques de révolte immédiat. Séparatiste du Poutawas. J'ai combien de limites terrestres? Je vais prendre mon mal en patience et je vais essayer de valider oui, ma mission. Du sucre et du thé. Encore de l'argent. Ah, c'est quoi, c'est augmentation de la valeur du sucre et du thé? C'est ça. Il y a pas de perte sur d'autres ressources? Non. Oh, c'est parfait alors. Encore que je n'ai pas tant que ça en fait. Ouais, c'est plutôt le tabac qui m'intéresse. Ah. Gagner 5 de professionnalisme et perdre 335 du cas.
Autriche n'est plus un rival valide pour l'Andalousie. Maroc n'est plus un rival valide pour l'Andalousie. Ah, parce que je viens de passer première grande puissance en fait. C'est la première puissance mondiale, t'es sérieux là? Oui. Et ils se plaignent de pas avoir d'argent. Mais j'ai pas d'argent en fait. Il a dépassé la France et la Russie. Bon, alors la Russie c'est parce qu'elle a pas d'instit. Mais il a dépassé la France, par contre. Ah non, il dépasse de base. Qui? Non, il dépasse de base la France ou parce qu'il a l'instit? Non, il a dépassé le dev de la France qui est à jour en instit. Bah, alors après, c'est parce que j'ai 209 dans les colonies. Mais ça compte, c'est divisé par deux ça par contre. Et il a déjà fait par division. J'ai 500 de dev et plus 200 points pour les colos. T'as tant de dev que ça dans 4... les colos. Oui. Non, mais mes colonies sont riches. Riches et puissantes, leader. Combien d'états? 15 sur 26. Bon, ça va, j'ai encore de la marge. Le Ming est à 1300, ouais, mais avec les instits, il a des malus, du coup, il perd des places. Oui, des colonies riches et puissantes, mais il a pas de thunes. Ah, mais et c'est oui. Ça, mais à mon avis, c'est juste que Zayn veut avoir un train de vie au-dessus de ses moyens, c'est tout. Par contre, Zayn, à perdre autant de temps dans les colonies, tu perdrais pas de vue ton objectif, là, qui était la réalisation des missions andalouses? Or, non. Bah, il faut que tu ailles péter le Maroc et Alger, que tu ailles prendre la Sicile, donc pour ça, faut péter Naples. Enfin, t'as du chemin à faire, quoi, si tu veux poursuivre les missions. Oui, mais pour le faire, il me faut des troupes, et pour avoir des troupes, il me faut... De l'argent, mais avoir de l'argent... Merci. Non, mais de l'argent, enfin, arrête de déconner, t'as plus de revenus que toutes les IA que tu vas affronter, déjà à l'heure actuelle. Je suis sûr que t'es dans les premiers revenus mondiaux. Attends, est-ce qu'on peut voir ça avec... Est-ce qu'il y a moyen de voir? Oui, alors tu as le deuxième revenu mondial, Zayn. Le seul qui te bat, c'est le Ming. Bon, il te bat pas, il t'écrase, mais on t'en fout, tu veux pas affronter le Ming, donc... Tu es le deuxième revenu mondial, premier revenu d'Europe. Alors, après Leader, est-ce que tu as la dépense mondiale? Parce que ça fait une belle jambe d'être le premier revenu mondial, mais si ta dépense elle est... Oui, non mais après c'est à toi de gérer, non mais attends. Dans Europa, il n'y a pas de politique sociale, on n'est pas sur Victoria. Tes seules dépenses fixes, c'est ton armée, tes forts, tes conseillers. Okay. Armée, fort, conseiller. S'il est le premier revenu d'Europe, deuxième revenu mondial, il peut théoriquement avoir de meilleurs conseillers et plus d'hommes que les autres. Alors... Déjà, j'ai réussi à gérer mon problème de corruption. Magnifique. Donc j'ai gagné 10 ducats là-dessus. Donc l'argent va commencer à rentrer lentement. Alors, j'accepte les Iroquoises. Tac. Putain, j'ai encore des Castillans. C'est pas possible. Pas possible pourtant, ou alors ils sont dans les colonies. Basque, basque, basque. Je vais avoir des Castillans quelque part dans certaines colonies. Que j'ai oubliées. Ah bah les Castillanes, voilà, j'en ai des Castillans ici, dans une seule province. Ah, les Léonais ont été bouffés par les Mexicains du coup, il n'y a plus de Léonais, les cultures léonaises a disparu, à jamais. Alors j'ai un problème intéressant, j'ai une révolte dans une province que j'ai colonisée en Afrique, parce qu'ils sont séparatistes. Ah, c'est pas les cannibales qui se soulèvent, c'est vraiment des nationalistes? Oui. Ce qui, pour moi, n'a aucun sens. Ils viennent pas d'un
truc à côté. User joined your channel. 70. Non non mais j'ai pas des c'est pas des c'est... j'ai du réseau rébellion. Ah. J'adore cette IA débile de recherche de rebelles qui va chercher les rebelles une fois qu'on les a dégommés sur une province où il n'y a plus rien. Ah mince, mon taux de croissance a diminué à 150. Ah oui, t'as un bon taux de croissance toi. J'étais monté à 185. 150, c'est faiblard là, c'est redescendu. Attends, j'ai dû perdre mon bonus des bourgeois, entre autres. Ah, par contre, il dure pas. En fait, c'est chiant ça que le bonus dure moins longtemps que le cooldown pour le réactiver. Une révolte, les Onagonda se sont révoltés. À mort! Mais ils se défendent ces enfoirés. Ils ont pris le maquis. Tu parles des rebelles ou... Ouais c'est des rebelles, ils se défendent mieux que les mecs que j'ai conquis. Bon, on a ennobli les 10 000 avant de les taxer, c'est bien, on avait besoin d'argent. Donc en fait, tu les as ennoblis, et puis ensuite, une fois la cérémonie passée, tu as dit « Bon les amis, je sais pas, mais cela a coûté fort cher, amenez la thune. » Alors, c'est plus du genre « Vous avez été ennoblis, mais vous ne le saviez pas, les nobles payent des taxes chez nous, alors payez maintenant. » Les nobles payent des taxes en Espagne. Ça fait un peu citoyen romain, ça. Ouais, vous avez la citoyenneté, mais vous payez maintenant. Shorter en quoi? Shorter en diplo? Hein? Quoi? 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 Bah c'est la merde. Mais pourquoi donc c'est la merde? Bah je ne sais pas pourquoi, mais la France a décidé de... de casser l'alliance avec moi. Ça sent la merde. Ah, tu vas bientôt te faire attaquer. Bah, ils me sont même pas hostiles, juste ils ont cassé l'alliance. Attends, ça peut être. Est-ce que très vite tes relations, est-ce que tu es surveillé? Est-ce qu'elles étaient encore assez? Oui, oui, elles étaient en positif. Au passage, Jane, j'ai pas de fort hein, chez moi. Si il m'attaque, c'est le boulevard. Hein. Mais si t'attaque, je te défends pas, hein, t'es prévenu. Hein. Ah putain. Oh, c'est. Mais tu l'éclates la France en plus, pourquoi tu es comme ça? Je suis pas sûr que je l'éclate. Mais attends, elle a la moitié de ton revenu. Me fais elle pas a rire. D'homme. Mais tu si elle a la moitié de ton revenu, tu l'écrases sous le nombre d'hommes. Merco, pas Merco, trop régulière. Alors je te rappelle que la France a plus de 20% MP leader, donc... Oui, de MP, mais c'est juste du MP. Et c'est que oui, 20%, hein, ça pas... coûte moins cher que des mercos. Oui, non, mais il a plus de dev et plus... Il a un peu plus de dev et beaucoup plus de revenus. Vilco. Et c'est une IA, on l'a battue. On l'a battue à une époque où elle était bien plus forte que nous deux réunis. Là, il est plus fort qu'elle. Ouais. Eh ben ramène des troupes hein, leader dans ce cas là. Tu penses vraiment qu'elle va attaquer là prochainement? Je sais pas mais là d'un coup je suis passé à moins 91 en relation avec la France parce qu'elle a décidé de claim absolument tout le Mexique. Elle aurait pas une mission, un event qui lui donne plein de claims d'un coup? Enfin je sais pas qu'elle est claim, c'est qu'elle les a mis en province indispensable pour son pays tu vois. Ah. Bitch please.
Non mais c'est ça. Il y a première puissance mondiale et première puissance mondiale, hein, c'est la preuve. Tout le monde ne sait pas tenir son rang, a priori. Faudrait que... Enfin, je me mette un IR. Ouais, je vais vassaliser les Iroquois ou un truc comme ça. À moins que... Est-ce que eux, je pourrais pas les attaquer, les Apaches? Anticosti. Alors pour ceux que ça intéresse, Anticosti c'est un des plus grands territoires de chasse au monde à l'heure actuelle. Si vous avez envie d'aller vous faire de l'orignal ou de l'élan. Non, plutôt du renne dans la région. Attends. Non, non, c'est de l'élan. Succès et conversion, youhou. Bon, mon unité religieuse est plutôt bonne. J'ai 6 Norvé 6 devs de Norvégiens là qui se promènent. Delaware. Mon héritier s'appelle comment? Mon héritier s'appelle Blanca de Haro. La Suède est en proie à conflits religieux. Il reste pas grand-chose de la Suède. Ah, j'approche de la conclusion dans le nord. Il faudrait peut-être que je me construisent des bateaux lourds en plus de ceux des marchands. Je devrais avoir les moyens maintenant. Alors, Rivaux. Cologne, Autriche, Andalousie, Grande-Bretagne. Bon, je vais mettre la France, après tout elle m'a mis en rival. La France qui a trois vaisseaux lourds. Attends, ça devrait pas me valider la mission là? Ah putain! Attends, Zayn, est-ce que tu peux me de... Attends, demander l'accès militaire. Faut que nos relations montent à 150, Zayn, pour que je puisse valider une mission là. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ah, mariage royal, on peut pas. Donner de la thune. Hein. Ouais, mais il est trop gros, ça va me demander de donner des milliers de ducats. Mais il te les rend après.
Ah non, il te les rendait pas. Bah alors, je sais pas, tu vois, il a l'air d'être tellement dèche que... Vilko, t'aurais pu ne pas réagir à dire oui, il va te les rendre après. Mais de toute façon, Dider, ne lui as-tu pas déjà donné 2000 balles récemment? Il en a besoin après. Alors, quand j'étais... Alors si, je lui ai donné énormément d'argent quand j'étais l'Aragon. Quand t'étais un pays que t'allais pas garder, quoi. Bah oui, alors, je t'ai filé plein de thunes. Pour justement, pour qu'un jour il y ait un retour sur investissement. Il aurait pu donner cet argent à la Navarre aussi, hein, pour la récupérer après. Bah, non, parce que l'argent était perdu. Mais après, j'aurais pu l'investir en construisant plein de bâtiments pas rentables. Parce que j'ai construit bâtiments rentables sur la Navarre, ça c'est du coup, avant de la libérer. Ça aurait été les provinces. Ouais. Mais ensuite, j'aurais pu construire les pas rentables. Faire histoire qu'elle ait un tout petit peu de revenus en plus. Avant, quand tu donnes l'argent à un vassau et ensuite tu le prends, il... Ah non, parce que je l'ai annexé. Pour le jouer, il faut d'abord l'annexer. Ah, d'accord. J'ai annexé, ensuite j'ai fait relâcher Navarre en cochant l'option jouer le vassal que vous libérez. Oui, je suis bête, du coup, oui. Je vais vous faire la peau. Et donc, ouais, Zen, il faut qu'on gratte quelques points de relation, toi et moi. On est à 144, il en faut 6. Le problème, c'est qu'on peut pas se garantir l'indépendance. L'alliance est faite, le mariage royal, on peut pas. Faire un don. Oh putain. Non, mais j'ai absolument pas assez d'argent hein, pour en gagner 6 de relations. T'as pas une idée? Quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'il y a comme autre option pour gagner un peu de relations? Non, tu peux pas l'influencer non plus. Non, il est première puissance mondiale. C'est lui qui pourrait m'influencer, tu vois, pour le coup, mais pas l'inverse. Est-ce que proposer une compagnie, ça améliore les relations? Non plus? Je crois pas. Putain, c'est chiant, 6, mais pourquoi autant de trucs négatifs? Religions différentes, dispose d'une revendication, friction aux frontières. L'accès militaire nous octroie le droit de mouillage. C'est quoi l'attractivité commerciale? Se tirer dans les nœuds où tu possèdes pas de terre, non? Alors, mais à quoi ça sert d'avoir de l'attractivité commerciale dans un... nœud où tu as des terres, justement. Attends, je vais te dire ça. Est-ce que c'est pas le... De son attractivité commerciale représente la capacité plus ou moins importante qu'ont nos marchands à tirer le commerce d'un nœud à un autre. Bon, a priori, ça marche aussi dans tes provinces... Enfin, dans les régions où tu possèdes des provinces. En gros, c'est toutes les régions où tu n'as pas de... qui ne sont pas ta capitale commerciale et où tu as un marchand qui pousse l'argent. Tiens, voilà, tu as la valeur commerciale tirée d'un nœud, c'est la valeur qui sort. Alors attends. Mais l'attractivité, ça augmente pas la valeur du nœud, ça va juste augmenter la part de ce qu'il tire. Ça va augmenter la valeur commerciale, je pense. T'es en guerre, Zane? Ah tiens, attends, Zane, si. Tu peux m'appeler dans la guerre. Ça montera peut-être, ça va monter nos relations, je pourrais peut-être valider la mission. Ah oui, c'est bon. Le plan a marché. Yippie-kai. Donc je peux péter mon alliance avec la Lorraine. En gros, ça modifie la thune qui ressort du nœud et si personne n'a de... Ça devrait être un truc négatif, l'attractivité commerciale, ou pas? Non, c'est un bonus. Non, c'est 100% un bonus. Alors, moi, je le vois dans une division où c'est 1 plus attractivité commerciale qui divise autre chose. Ce qui fait que plus c'est faible, plus la valeur commerciale tractée par ton marchand est forte. Il faudrait que tu commences à construire des forteresses au cas où. Ouais, mais j'ai pas la thune pour ça. J'ai pas encore la thune pour... Alors, je vais faire la guerre au Pied Noir, au Huron et au Outaouais. Bon, Dider, on progresse. 27 ducats sur Séville, 33 sur Gênes. Et pourquoi t'arrêtes? Et surveille la mer du Nord, hein, parce qu'elle pourrait être... Elle est à 31. Qu'est-ce
que c'est que cet event qui me coûterait 1000 ducats pour gagner moins 10 de coûts de dev sur une seule province? C'est une installation de manière permanente. Ouais, c'est ça, mais c'est super cher, c'est nul. Ce serait jusqu'à la fin de la partie, je veux bien, mais pour 10 ans, pour 1000 de dev. Pour 1000 ducats, pas 1000 de dev, oui, je dirais pas non, mais. 1000 de dev. Non, 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 non. Ah, putain, j'aurais pas dû l'interrompre. Connerie. Putain, je connais toujours pas le nœud du Mexique pour y envoyer mon marchand. Alors ça. Non, après, c'est toujours comme ça. C'est parce qu'il est, il est placé bizarrement, il est passé au fin fond du pays aztèque. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont refait tous les portées et les machins. Non, non, mais c'est, j'ai la portée, c'est juste je le connais pas. D'accord. Oui, non, c'est parce que. Mais c'est. Oui, non, c'est moi non plus. C'est parce que c'est bizarrement branlé. Parce qu'en gros, l'image du truc, en gros, il, c'est ça qui est bizarre, il est considéré comme étant côté pacifique, le nœud. Même s'il n'y a rien qui part dans le Pacifique, tout va vers. Vers Cuba et l'Amérique du Nord. Juste comme ça, la valeur commerciale, c'est les caisses. Ah non, attends. Oui, c'est ça. La valeur commerciale, c'est les caisses ou c'est directement les ducats pour vous? Quoi? Les caisses ou les ducats? Alors, c'est-à-dire... les caisses, tu vois, quand tu construis un marché, oui, augmente la valeur commerciale ou la puissance commerciale? La puissance commerciale. Donc, les caisses, c'est la puissance commerciale. Et la valeur commerciale, c'est la thune. Ah, tu parles dans les symboles? Oui. En fait, c'est tout le temps des caisses. Il y a la caisse avec la flèche verte vers le haut, la flèche avec la flèche rouge, et celle avec deux flèches vertes. Moi, je te parle juste des caisses quand tu construis le bâtiment du marché. Les caisses quand tu construis le bâtiment du marché? Construis un marché dealer. Oui. Bon. C'est de la puissance commerciale locale. Voilà, donc c'est de la puissance commerciale. Oui, mais locale, donc, uniquement dans la province. Ça veut dire que l'attractivité commerciale, en gros, c'est la valeur qui augmente la thune à chaque fois que ça passe par un nœud. Des valeurs qui augmentent la thune à chaque passage à travers un nœud. La France m'a foutu en rival. Alors... ça va pas tarder, Zane. Ah non, ça pardon, c'est tarder. Une connerie. Non, mais pourquoi j'ai pas eu cette définition avant? Bon, l'attractivité commerciale est appliquée comme bonus à la puissance commerciale utilisée pour tirer lors du calcul de détermination de la valeur commerciale qui est... du référendum d'autodétermination. Ça sent en Amérique ou en Espagne, leader? De quoi? On réfère un tome d'autodétermination. Non, mais c'est moi qui disais ça pour déconner. Bon. Ou alors, ils le refont en Polynésie, je crois, non? Cri, Huron. Il y a plein de cultures dans le coin. C'est du bonus pour tirer des caisses, quoi. Il se passe quoi de neuf? Je fais la guerre aux Hurons et Zayn s'apprêtait à se faire attaquer par la France. Et j'aurai bientôt une flotte de navires lourds. Ce qui me semble être le plus important dans tout ça. Ah,
je vais vous traquer. Je vais vous traquer et vous détruire. Ah oui, il faut que j'ai 5 ans de prestige pour devenir un roi. D'ailleurs, c'est nul, on parlait de roi de Navarre. Pourquoi je suis pas roi? Et il y a eu un abonnement sur Twitch. Je suis pas sur Twitch là. Ça n'empêche pas les gens de s'abonner. Oui, mais c'est bizarre que quelqu'un s'abonne quand il n'y a pas de programme. Alors, c'est quelqu'un qui a adoré nos replays. Attends, je suis pris d'un doute là. Faut croire qu'on fait des bonnes vidéos. Mais. T'as pas attrapé le nom? Bah non, du coup, nous, j'avais pas la page Twitch d'ouverte. Ah bah il suffit de voir sur l'OBS. Hein. Ah oui, mais l'OBS, pareil, il était derrière. Il était en réduit. Ouais. Bon, j'aimerais faire arriver 3 ducats de plus à Séville. Je te le dis, Zayn, surveille la mer du Nord. La mer du Nord est ton ennemi. Alors, la mer du Nord, je pense pas. Alors, la mer du Nord, je... Voilà, oui. Alors, quand je dis la mer du Nord, putain, effectivement. Ils sont repassés à 37 ducats à Gênes. Ça remonte. C'est gêne le problème. Ouais, c'est remonté. Est-ce que. Attends, envoyer des pirates, est-ce que ça baisse la valeur du nœud? Envoyer des mecs qui feront la course. Est-ce que le jeu considère qu'ils appauvrissent le nœud? Bah, bien sûr, puisque la thune va nulle part. Bah, tu vois, Zayn, tu pourrais mettre 20 ou 30 pirates sur le nœud. Attends. Non, mais. Alors... Oui, une portion de la valeur commerciale est perdue. Et... 31.6, j'ai dépassé la mer du Nord. La Manche? Oui, la mer du Nord, Didier. La mer du Nord, c'est vrai. Pourquoi la mer du Nord? Bah, du coup, on a dit que c'était la mer du Nord et pas la Manche. Ouais. Du coup, il reste Gênes, Venise est largué. Ouais, non, c'est ça, t'as que Gênes comme rival. Ah, t'as vérifié en Chine que t'avais une mauvaise surprise là-bas? 13 ducats, 18 ducats. C'est surtout le sud de Pékin qui peut monter. 20 ducats, Gujarat. Pékin, 32 ducats. Ouais, je t'avais dit, mais Pékin. Pékin toujours en embuscade. Non, en Inde c'est bon, j'ai regardé. En Inde, il y a le plus élevé c'est 20 ducats. Tu dois battre Gênes et Pékin. Bah, Pékin, t'y peux rien à part essayer d'être plus riche qu'elle, donc il te reste. Donc je prends la techno en avance. La techno commerciale, voir si ça va faire monter un peu mes revenus. Ça va faire monter tes revenus, oui. Enfin, les revenus de Séville, plus que les miens. Ah. À 31.9, ouais, le gain était marginal. Mobilité sociale, mon Dieu, mais cet événement... C'est Satan cet event.
Est-ce que j'irais pas prendre commercial? Ça pourrait aider dans la manœuvre, effectivement. J'aurais donné combien de terres? 3% et 9%. Ah putain, j'ai donné le carrefour commercial au noble. Ah le l'idiot. L'idiot bête. Le Didio. Non, ma blague n'était pas assez bien pour toi, on dirait. Tu me sens rabaissé. C'est ouais, comme si, c'est comme si un pigeon m'avait chié dans l'oreille. Je me sens assourdi et rabaissé à la fois. Vous parlez pas de Stella quand vous dites ça au moins. Quel truc? C'est quoi le rapport avec Stella? Enfin, j'en sais rien, je sais pas, je parlais pas de Stella donc. Ouais, moi non plus, je parlais de la blague nulle de Zayn qui ressemblait à un crachat de pigeon dans l'oreille. Et j'ai expérimenté hein, pour pouvoir faire cette comparaison, elle ne sort pas de nulle part. Tu t'es fait cracher par des pigeons dans l'oreille. Oui, bah chacun ses pratiques. Hein. Est-ce que je t'interroge sur ce que tu fais le samedi soir après minuit? Est-ce que tu penses qu'en construisant des manufactures, oui, ça augmentera la valeur. Ça pourrait suffire. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. Il va en falloir beaucoup. Mais ça augmentera la valeur, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que t'as essayé de mon idée de pirate? J'ai pas la flotte. Oui, oui, oui. Attends, est-ce qu'on peut envoyer des... I'm a kingdom. Non, il faut que ce soit des navires de commerce, c'est ça? En pirate, oui, c'est forcément des navires de commerce. Attends, t'as pas la flotte parce que tu dois avoir les limites navales, c'est quoi? T'as pas la thune pour les construire? Là, à l'heure actuelle, oui. Bah, parce que c'est, regarde, t'en fais 10, hein. Non, bah, idéalement même 20. 20, c'est 400 du cas. C'est moins qu'une seule manufacture. Et 20, avec 20 pirates sur Séville, avec des navires remis à jour, ça devrait être correct, hein. Tu devrais pas mal les pourrir. Pourquoi tu veux pirater Séville? Pour la baisser. Il veut faire popper le commercialisme à Séville. Non, ouais, oui, non, il veut pirater Séville, Gênes pour faire popper le commercialisme à Séville. Ah, il y a autre chose, Zayn. Ah, mais attends, dans ce cas-là, pourquoi tu montes pas Attends, faudrait que tu améliores. Je vois que t'as des trucs encore. T'as encore un truc niveau 1 à Tolède, non? Est-ce, oui, que ça améliore... Est-ce que un améliorer 1 au niveau 3 et le dernier niveau 1 au niveau 2 ça aiderait pas? Alors le niveau 1 au niveau 2 ça aiderait peut-être. Niveau 3 c'est beaucoup trop cher je pense pour que ça passe. Alors attends, après si tu veux le faire pour proc à Séville, t'as plus vite fait de mettre les bateaux en protection du commerce à Séville. Alors je me fais tirer 5 ducats, mais non, parce que attends, la course, tu supprimes beaucoup de ducats. Je pense qu'il supprimera plus de ducats qu'il va en créer hein, en mettant ses bateaux. Non. Ah non, bah, après, si, parce que la course, en fait non, la course, parce que Bitcoyote, le principe de la course, c'est que en général, ça te fait gagner à toi moins d'argent que ce que tu gagnerais en les mettant à tirer le commerce pour ta gueule. Mais n'oublie pas que les pirates ne te donnent que 40%. Et le reste, si tu veux, tu supprimes... Tu gagnes moins qu'en utilisant les bateaux de commerce pour ta gueule, mais tu supprimes beaucoup d'argent. Parce que tu n'as que 40% de la piraterie. C'est pour ça que la piraterie est plus efficace que le commerce. Pour moi, c'est pas un cas où il faut faire de la piraterie. Il fait le test, de toute façon. Ces 20 navires de commerce ne seront pas perdus. Il fait ses 20 navires de commerce, il les met en pirate et il regarde à quel point ça impacte le revenu. Il peut voir combien les navires de commerce lui rapportent. Et au fait, t'as mis les édits de protection du commerce sur toutes les provinces? Toutes les provinces où il a un centre de commerce. Il peut le mettre partout, ça change rien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre?
Bah, il y aurait détruire toutes les flottes en Méditerranée. Zayn teste déjà les édits sur tes provinces ayant des centres. Combien tu as de dev, moi? Là, je dois être à 400. 406. Attends, qu'est-ce que tu disais, Vilco? Les édits. Oui, qu'est-ce qu'ils ont le... Ah oui, les édits. Je sais Merci pas, j'ai eu un event avec des rebelles, et je sais pas où ils sont. Les rebelles ont pris telle province, et je vois pas de rebelles dans mon pays. Ah oui, il faut que je fasse... faut que je profite de mes trois... maintenant que j'ai trois diplômes. Ah oui, ce serait gênant que ça pop en Chine, mais bon. Pour l'instant, la Chine, ils sont coude à coude, mais avec quelques manufactures, ils devraient quand même semer Pékin. Alors sinon, ce que tu fais, c'est tu vas faire des comptoirs en Afrique. C'est déjà fait. Est-ce que t'es allé jusqu'en Inde? J'ai pas le temps. L'Afrique du Sud, Zayn, l'Afrique du Sud. Par exemple. Oui, mais l'Afrique du Sud, il y a zéro Lucas, donc... Ah mais, oui, mais une fois que c'est colo, une fois que c'est colo, il y a pas mal de Lucas, parce que c'est, les princes sont un bon dev, il me semble. Puis tu peux choper des mines. Sinon, attends, est-ce que la thune va pas de Tunis à Séville? Non. Si, non, si, y a un... ça va de Tunis à Séville. Oui, non, mais il y a. Ah, mais si, c'est... non, mais je tire déjà de Tunis vers Séville. Oui, mais alors à combien tu tires? Quasiment tout. Il y a quasiment rien qui va à Gênes. Bon. Et bah, sinon. Sinon, tu peux tenter de Ragus vers Venise au lieu de Ragus vers Gênes. Il y a déjà plus qui va à Venise qu'à Gênes. Et sinon, tu peux tenter de mettre un marchand dans la Champagne pour l'envoyer vers le nord. Ah, bon, il y a beaucoup, beaucoup qui descendent de Champagne vers Gênes, là, pour le coup. Oui. Ouais, mais il y a beaucoup de marchands, en fait. Après, les deux, c'est du terrestre. Hein. Tu as pris commerce, du coup, en 4ème doctrine? Ah, bah regarde, tu vends à l'Afrique du Sud, ça te donne un marchand que tu mets dans la Manche. Dans la Manche, pourquoi faire? Et pour... Non, pardon, de Champagne vers la Manche. Il y a combien de marchands là sur la Champagne? Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Des deux côtés? Il y a 5 au nord et 5 vers le sud? Non, au total, 5 au sud et 3 au nord. Et bah, ça ferait quoi là? Là, il y a. Merde. 12 ennemis, 25. Il y a 37 ennemis qui montent vers le nord. Et tu pourrais monter à ça, hein? Merde. Donc tu pourrais prendre 7. Tu pourrais faire passer 7% du commerce supplémentaire vers le nord. En théorie. Oh, il faut se fixer des objectifs, Clader. Alors, à l'heure actuelle, c'est 33,8 chez moi. 35 à Gênes. Séville. Gênes. Séville, c'est toi. tu es très proche. Hein, ça... Alors, on va monter Tolède. Alors, j'ai monté Tolède, je suis passé à 34,3. Ah oui, mais 34,3, c'est peut-être aussi parce que je viens de défoncer les Mexicains et que je pousse encore plus de thunes du Mexique. 34,3, tu es très très proche. Est-ce que Dider, en comment Dider pourrait te renvoyer la thune vers chez toi? C'est pas possible, je suis pas dans des nœuds liés à Séville. Moi je. Ouais, ce que je peux faire, c'est l'empêcher de popper en mer du Nord. En coupant les vannes, je coupe les vannes qui alimentent la mer du Nord. Parce que si je laissais le commerce se barrer, ça popperait en mer du Nord au final. Pas en mer du Nord, à la Manche, ouais, mais bon, on se comprend.
Toujours 4 colonies en cours. Sinon, tu déclenches une guerre face à France-Allemagne pour tuer le nœud de la Champagne. Et tu vas en France, tu déclares la... le nœud de la Champagne. Oui, non, il déclare la guerre à Gênes pour lui faire un blocus. Ah oui. Oui, ça marche aussi. Juste avant. Gênes est allié à qui? France est à pontificat. Et comme ça, elle aura lieu la guerre avec la France. Alors, je préfère éviter de me lancer dans une guerre à la con comme ça. Hein. C'est pas une guerre à la con, c'est une guerre pour l'avenir. Guerre commerciale. La gloire et la ruine. En avant, cavalier de Théoden. D'Alandalus. Des petites Ian de merde, tu déclenches des guerres commerciales et tu leur voles leurs marchands. Comme ça, ils arrêtent d'être dans la Champagne ou je sais pas où et ils vont en Amérique t'aider à pousser sur sa vie. Ça, il faut faire quoi? Avoir au moins 10 vaisseaux lourds, donc tout à fait faisable. Et enfin, avoir 75% de mon nœud. Alors, mes bateaux de commerce sont en train de sortir. Allez, je veux bien aller jusqu'au cap, mais je ne le connais pas. Tu ne connais pas le cap? Non. Alors voyons voir, avec mes bateaux à Séville, ça fait passer Séville à combien? De combien ils tirent en moins? Je pense que ce sera pas beaucoup. Combien ils tirent en toi? En moins. Ah. Oh, je passe à 35-5. Hein, ah merde, à 36-1. Mais attends, mes revendications sur l'Islande n'étaient pas permanentes? Débile. Non, non, non. Lancer une guerre à la con plus tard. Qui... Mon Islande. Mes Basques d'Islande. Ah mais... France, ah non Cologne, mais ça coûte des points. Le Danemark en plus c'est couvert le cul. Monter le mercantilisme. Ah. Parce que ouais, en gros je suis à un ducat de Gênes avec mes bateaux. Et si je les envoie... Est-ce que tu peux... Quand ta capitale est en Amérique, déplacer une culture non acceptée de province en province pour la colo pour lui faire plus de dev. Non. Non, 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 je ne peux pas déplacer les cultures sur le continent américain. Mes Mexicains, mes Léoniens, mes différentes cultures amérindiennes, mes Castillans, je ne peux plus les déplacer. Et vous avez toujours pas pris le Pérou par hasard? Non. Non. Parce que ça peut aller très vite et. Quoi en termes. Et ramener du pognon vers chez vous. Ah ouais, mais alors le Pérou c'est surtout les mines d'or, surtout les flottes au trésor ou l'exploitation directe des mines d'or. Ouais. Et c'est pas tellement pour le commerce. C'est pas le Nicaragua, la péninsule du Yucatan, c'est déjà. Alors, Panama. C'est pas non, très colo. Le problème c'est qu'en fait ça serait pas mal Vico, mais là c'est pas du tout colo et le temps qu'on colonise ça sera réglé quoi. Là où il y a le chocolat et les Mayas, c'est pas colonisé avec les Mayas. Si Zayn s'en est emparé, il a pris la côte. Non, je crois que tu parlais de plus au sud, je crois que tu parlais de Panama. Je crois que tu parlais de Panama et du en gros vraiment le tu sais, l'Amérique centrale quoi, pas le Mexique. Oui. Et ben sinon, faut que vous tombiez le commerce qui arrive de l'est quoi.
Ils sont repassés à 38, mais ils font chier. C'est pas possible, quoi. Leur objectif est peut-être de te faire chier, ça. Ou sinon, tu déclares la guerre au pape ou à je sais pas qui dans le sud de l'Italie, tu défonces tout, ça va faire perdre de la valeur commerciale sur place, quoi. T'as pas les pillages, Zin? Non. Non, j'ai pas de pillage, moi. L'ultime mission. Ok, c'est bon. C'est bon, t'as trouvé la solution ou... J'ai pris la première idée de commercial et c'est bon. Ah bah oui, d'accord, à ce moment-là... Mais sans aller jusque-là, je pense que t'aurais ravagé tout le sud de l'Italie, ça pouvait passer aussi, hein. Non ? La guerre à Gênes ! Même pas, tu déclares la guerre à Naples ou je sais pas qui dans le sud de l'Italie, tu lui pètes sa gueule, tu brûles les provinces et puis le nœud perd de la valeur tout seul. Non, ça ne te convenait pas. Genre bon. Je pense que tu brûlais Naples et Rome, il n'y avait plus grand chose. Oui, brûler Rome, brûler les papistes. Oui, enfin ma solution elle marche très bien aussi, hein. Oui, elle marche très bien aussi. Brûler les papistes. Je suis un peu devant... devant les... Les salauds. Les génois. Ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Soulèvement indigène. Oh non! Ça va être long pour coloniser toute l'Amérique du Nord. Il va me falloir plus de colons que ça. Il n'y a aucune politique qui donne de colons supplémentaires, hein, c'est juste de la croissance coloniale. Ouais. Ça se fait des colos plus vite, de toute façon. Oui, non mais je voudrais plus de colons, t'es, pour payer moins. En non, dépassant le nombre de pays. Ah. Alors, tu peux prendre un parlement, pour avoir le colon dans le parlement. Mais tu risques de perdre autre chose, et sinon bah tu poses 15 colonies, tu t'endettes sur 10 000 balles, et puis c'est pas grave. Si l'Amérique est à toi, tu rembourseras ça très vite. Ah, tu veux dire que, je prends carrément des emprunts. Oh, mais tu sais que c'est beaucoup moins intéressant qu'avant, parce que les trucs qui réduisent le remboursement sont beaucoup moins efficaces. Non, notamment. Si tu prends 3-4 000 balles d'emprunt, tu risques rien, franchement. Oh, mais j'aime pas jouer comme ça, c'est nul. Ça casse le jeu, en fait. Ça casse pas le jeu, l'économie réelle aujourd'hui tourne comme ça aussi.
Bon, effectivement, il y a toujours le Oui, problème. justement, tu le dis, elle tourne comme ça. Est-ce qu'elle tourne bien? Non, pas vraiment. Déjà, c'est quelque chose de récent et c'est pas quelque chose de... Je suis pas sûr que ce soit la plus grande conquête du 21e siècle. Hein. De quoi? Le crédit? Oui. Alors, je sais pas, hein, mais le crédit, il existe depuis plus longtemps que le 21e siècle. Comment tourner Bon, il des n'aime pas le bateaux ou faire de fonctionnement la de l'économie piraterie? comme à À l'époque. pratiquer la course. Mais si. Sauf qu'aujourd'hui, tu le... Comment dire? Tu le tends à l'extrême, mais... Attends. Ah merde, j'avais pas fait ma revendication. Le système bancaire, il apparaît à l'époque de U4, hein, Dider. Et le Oui. principe du système bancaire n'a pas changé. Alors oui, T'as non, de la parce qu'à thune avec l'époque, de la thune. enfin, les États n'empruntaient pas sans aucune raison pour ça. Les taux d'intérêt d'emprunt étaient beaucoup plus élevés. Les assurances aussi. Le fonctionnement était différent, en fait. Tu t'assurais pas et tu n'empruntais pas pour un oui, pour un non. Parce que justement, les taux d'intérêt étaient très violents. Et là, tu as un ministre visionnaire, il va voir les banques et il leur dit voilà, je souhaite emprunter pour exploiter, pour Alors avoir de la tu... thune et envoyer des colons sur toutes ces terres qui apparemment sont géniales. Alors tu n'empruntes pas aux banques. Hein. Bah, t'empruntes à qui en bientôt l'an 1600? Aux bourgeois. Et bah c'est pareil, voilà. Donc tu as Dider, tu vas aller voir les bourgeois de ton pays et tu vas leur dire voilà, je vous emprunte des sous pour exploiter de nouvelles terres. Donc tu cliques sur emprunter à la banque, c'est tout. Et tous les 5 ans, tu cliques sur banqueroute parce qu'en fait, tu les rembourses jamais tes bourgeois. Mais j'avoue, mais même Dider, tu peux faire ça? Alors, attends, Dider, regarde Mais vite ça va fait, t'as niquer mon fait. pays si je fais ça. Qu'est-ce que Mais vous non. racontez, comme idée? Dider, regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est fantastiquement laid, les Balkans. Ah, attends, Byzance est réapparu, mais c'est pas Venise. C'est une révolte sur Venise. Est-ce que l'Ottoman est en PLS? Ah Oh, oui, d'accord, il n'y a il est plus mort, d'Ottoman. il est mort l'Ottoman. Ok. Non, mais ça fait un moment. Alors, il est en PLS depuis un moment, mais là, il est carrément mort. D'accord. Mais oui, regarde, en plus, t'aurais pu attaquer Naples, quoi. Alors, c'est la Mais République des pourquoi Nations tu auxquelles veux j'ai que pensé. j'attaque Naples? Pour défoncer la thune à Gênes, hein. C'était ça l'objectif. Non, mais y a plus besoin. Oui, non, Je veux d'accord, pas mais faire. oui, mais Non, mais c'est. Alors, il n'y a Vilco, jamais il est besoin plein de raison pour potentiel. tuer des gens. Je Mais vais par pas contre, me Vilco lancer m'a l'air dans de une guerre avec lui. forcer à jouer comme lui l'entend. Hein? Il veut nous ruiner à coups d'emprunt et nous faire faire des guerres. Et Hein? voilà, et Mais donc en fait, là, Dider. Vilco est Oui. un pur banquier. Mais non, je pète le système économique. Ah, Dider, tu tu veux viens de me dire faire. que ça cassait pas le jeu quand je t'ai dit que ça cassait le jeu de faire ça. Alors, attends, ça Donc casse pas le jeu, là, mais je te. Espèce c'est de. pas Espèce de grave. grimaud, je viens de Attends, te le ça coûte prendre de en pleine l'argent. contradiction. Bon, c'est pas grave. Dider, tu veux prendre combien d'emprunt là aujourd'hui? Tout de suite Beaucoup, maintenant. mais j'ai pas envie de jouer comme ça, c'est Oui, nul. mais regarde, J'ai envie juste. de faire des. J'ai Non, envie mais. de coloniser vite tout en continuant à faire des bâtiments. Là, en plus, ton principe, ce serait juste je fais plus de bâtiments et je fais que colo, 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 colo. Et non, tu peux faire encore des bâtiments. Regarde, je vais t'expliquer. Combien tu peux faire d'emprunt à 220 Je peux balles? faire 60 emprunts de 220. Alors. Voilà, tu peux entrer en banqueroute lorsque tu auras fait 13 200 balles d'emprunt. D'accord? Donc, ce qui va se passer, Oui, non, Dider. mais en fait, arriver à la moitié de ça, tu payes tellement d'intérêt que dans tous les Non, cas, mais c'est t'es pas dans le grave. mal. Ce qui va se passer, c'est que tu vas faire une banqueroute en ne remboursant. C'est Zin Je qui veux m'a pas donné faire de l'idée en banqueroute, disant mais je veux tous pas les faire de 5 ans, banqueroute, tu on cliques perd sur ses le ronds-points, on souffle et perd on EDF, enfin remporte c'est. l'argent. Non, alors Dis-leur, déjà, Dider, comment on rigole. si tu m'expliques Dider, comment rembourser, ok, mais sans banqueroute. Oui, par oui. contre, la colonisation en Guinée, ça va pas le faire du tout. Mais pourquoi? Parce que j'ai une mission qui me demande d'avoir 90% de la puissance commerciale en Guinée. Et bah, il te vendra Mais les attends, Dider. j'ai bien le Mais droit d'aller non, en mais non, mais Afrique? non, Oh mais là là, non. attends, c'est quoi ça? Putain! Zin, t'as ce qu'il va faire, il va dire donner la puissance commerciale, il va te le donner un mois et t'auras ta mission, hein. C'est pas. Bon, si Non. tu penses que ça marche, pourquoi pas. Mais c'est quoi cette histoire? En plus, je vais pas m'interdire d'aller en Afrique, quoi. Et après, ça va être, Évidemment ah, que ça et va marcher. va pas aux alentours du Cap et touche pas à Madagascar et tant qu'à faire, va pas en Inde. Tu vas en Amérique? T'es un Américain? Mais et toi, regarde, attends, t'as bien pris tout le Mexique, t'as pris tous les Aztèques et tout, et t'es en train de remonter sur le Texas, Tu vois, Dider, il faut que Mais tu j'ai fasses remplacé ces l'Espagne. 13 200 balles d'emprunt, de toute façon. Moi, je te dis, ça marche. D'ailleurs, Zin, tu cherchais de l'argent, t'aurais pu prendre L'avidité plus sans de fin de ce cacao. Zayn, quoi.
Non, j'ai. J'ai toujours su que Za1, c'est ça, ça rimait avec K1. Je vais prendre les mines d'or. Hein. Alors, j'ai fait une référence biblique, check. Bon. Je suis massivement allé prendre les mines d'or, Vilko. Et tu veux pas prendre le reste? Si, mais là je vais pas prendre trait avec tout le monde. Ah. Bah, y'a les musicas en dessous là. Sur la côte en plus. D'ailleurs, qu'ils plus fertile en Guinée. Ah, mais quelle tristesse. Ah oui, j'ai un coulon qui se touche la nouille. Ah bah en plus quoi. Et après ça se non mais attends, c'est parce que... Non mais... Attends, je colonise 4 par 4 avec seulement 3 colons et ce depuis un moment. Hein. C'est juste que là il se trouve que je suis en guerre. Donc forcément il y avait un colon de dispo. Mais qu'est-ce que c'est que cette fric? Il y a une province qui appartient à Hambourg, une province qui appartient au pape et une province qui appartient à la Toscane. On parle de où? Ah, en Afrique. Oui. Bah les IA vont toutes coloniser aujourd'hui. Non, ils l'ont pris dans des guerres. Ils l'ont pris à quelqu'un dans une guerre. Ah, mais je sais pas de l'Afrique qui. Du Nord ou de la Côte d'Ivoire? Bah c'est vers la Côte d'Ivoire, je crois, tout ça. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Comment ils ont c'est un Côte d'Ivoire, CB pour aller là-bas? Oui. Clader, c'est tout compris. Qu'est-ce qu'il a dit, Clader? Zin va t'interdire d'aller en Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Sud, Amérique du Centre et Amérique du Nord et Groenland. Non, question leader. Mais non, il me laisse le nord de l'Amérique du Nord, le Groenland, c'est voilà. Cool. Mais si tu envahis l'Angleterre par exemple, est-ce que c'est toujours tes corps nationaux? Comment ça? Ah, bien sûr en fait, je peux corer en faire un territoire national. Dans ce cas-là, tu pourrais commencer par envahir l'Irlande et libérer les vrais catholiques d'Irlande. Mais j'avais une revendication sur l'Irlande via une mission, mais je croyais qu'elle était permanente, mais non, en fait j'ai perdu ma revendication sur l'Irlande et ma revendication sur l'Islande. Que la Norvège. L'Islande, pardon. Ouais. C'est suite à ma série de missions qui conduit à migrer en Amérique, me donnait entre autres ça, quoi, des revendications sur la moitié sud de l'Irlande et sur toute l'Islande. C'est l'échec. Sauf que bon, quand j'avais ça, j'avais absolument pas la force pour m'installer quoi. Là, je commence à avoir une flotte digne de ce nom. Il est à combien ton revenu? Mon revenu à moi? Ouais. Non, ton bénéfice, pardon. Ah, mon bénéfice? Ça doit pas être beaucoup, attends. Là, je suis à 12, parce que j'ai pas encore lancé de quatrième colonie. Bah, il faut. Ah oui, non mais il faut, bien sûr, mais je suis en guerre, c'est chaud là. En fait, ils évitent les combats, ils essayent de me péter mes stacks de 1000 hommes qui justement tiennent les colos. Et c'est un peu chiant. Alors ça, par contre, ça pue du cul comme event. Quoi, un event qui appauvrit ton nœud? Je me prends moins 15% d'efficacité commerciale. Pendant combien de temps? Longtemps pour que ça n'ait pas d'impact. Jusque 21 janvier 1602, 5 ans. Ils sont obligés de l'accepter. Oui. Mais en fait, a priori, la course, ça marche bien, jeune. Ah, mon plan de les pirater, ça marche? Ah bah, 10 navires, 10%. De toute façon, tu surveilles toujours Pékin, parce que en embuscade, c'est Pékin. Alors, je sais pas pourquoi, la Manche, c'est appauvri, beaucoup. Pékin, ils sont à 33. Il y a une guerre France-Angleterre, là. Je sais pas si tu vois, il y a des blocus en France. Ah oui, alors ça doit être ça, alors. Et l'Anglais a même débarqué, tiens. Il est débarqué à Calais, il s'enfonce, va-t-il faire un deuxième Azincourt? Bien. 42 ans, c'est vieux comme roi, on est d'accord. 42, hein, on est encore dans la force de l'âge, hein, oh. Est-ce que je prends plus un dans toutes les stats de mon roi? Ouais. C'est quoi l'autre choix? Parce que j'imagine qu'il y a un autre. Non, en fait c'est une mission. Ah. Et je peux valider ma mission, et ça me donne plus un dans toutes les stats de mon roi. Fais peut-être ça avec un roi plus jeune alors par contre. Alors, pour le coup, si tu peux la valider quand tu veux, est-ce que tu penses pouvoir la valider quand tu veux la mission? Il faut juste que j'ai 100 de légitimité.
J'aurais tendance à te dire garde ça pour un roi plus jeune quoi, qui est le genre le mec qui en profitera dont t'es à. Ouais mais le problème c'est que là genre l'héritier il a 36 ans tu vois donc il en profite. Ah bah, tu vires l'héritier, est-ce qu'il est bon? Non parce qu'il faut que mon héritier ait 100% de légitimité aussi. C'est bon. Là t'auras l'héritier et puis le fils de l'héritier il devra bien avoir le truc. Non, le fils de l'héritier. Si je vire l'héritier, l'arrière-petit-fils du roi élu. Oui, mais si le mec a une légitimité haute, tu reviens à 100% dès qu'il arrive au pouvoir. De toute façon. Non, vas-y, je le prends maintenant. Comme ça, je m'emmerde pas. Alors, Dider, est-ce que tu enchaînes avec les Hurons? Comme ça, tu peux manger à la fois les verts, les rouges et les mecs au sud. Ah, je pensais. Mais tout à l'heure, déjà, j'ai fait une sacrée conquête. Hein. J'ai bouffé 15 provinces d'un coup, j'ai pris du retard en admin tellement j'ai eu de trucs à corée. Mais là je vais vassaliser les Iroquois. Pour une mission. Ah mais attends merde, je vais avoir des relations dégueulasses avec eux. Peut-être Non, j'ai peut-être vassalisé une autre merde. Ah oui, parce qu'il te faut 150 de... Non, de ça c'est fait. Avoir 150 de relations et des alliances avec deux personnes, ça c'est fait. Et le truc suivant, c'est avoir deux vassaux non truc asiatique, des vrais vassaux. Ben c'est bon alors, non truc asiatique, c'est-à-dire tributaire, deux vassaux non tributaires. Oui, au pire, tu fais tes vassaux, tu les oublies, ça va se valider tout seul. Hein. Non, mais ça y est, là, je viens de faire mon vassal. J'ai pris les Pawni. Au pire, tes diplomates ils font pas grand-chose, donc il peut bien rester 150 ans chez le Pawni. Non, mais il n'y a pas besoin d'avoir 150 relations, juste deux vassaux. Et c'est bon. Du coup, la mission suivante, là pour continuer dans mon arbre, la mission suivante c'est avoir 10 vaisseaux lourds. J'en ai déjà 7. Bah, continue, hein, parce que domination commerciale c'est un bon bonus. T'as créé un centre commercial sur ta capitale. Oui, ce qui serait bien parce que il y a qu'un seul centre de commerce pour tout le golfe du Saint-Laurent et un estuaire. Ouais, si tu contrôles les deux, t'es tranquille. Hein. Oui. Ouais, parce que c'est-à-dire que tu génères pas beaucoup de puissance, j'ai l'impression que du coup, les Anglais arrivent à me tirer dessus, ils ont rien du tout, ils arrivent à me tirer dessus 25%, même plus de 25% de mon commerce. Il y a 0,79 dans les deux cas, et tu dis qu'ils tirent 25%. Oui, bon, tu me dis, il y a 4,5 de base, et ils tirent... Parce qu'il y a deux fois 0,78 qui se tirent. Ouais, et ben, effectivement, ça... C'est un tout petit peu la France, et essentiellement l'Angleterre qui font ça. Alors, bon, les Iroquois, je vais les annexer, mais est-ce que je peux... Ah, eux, je vais pas pouvoir faire la conquête à tous les coups, ouais, parce que je touche pas. Ou alors, je lance une cinquième colonie juste pour avoir une frontière avec eux. Oh non, je les boufferai plus tard. T'as déjà mis un embargo sur France et Angleterre, si c'est des rivaux. Sur la France, oui, l'Angleterre, non, parce que c'est un rival récent. Et alors? Bah, je... Bah, pas pensé, quoi. Hein? Voilà, on va faire la paix. Maintenant, tu y as pensé. Je poufferai les Hurons d'abord. Je vais me prendre une Jiekoa amérindienne au passage. Bah c'est pas grave. Moi je vous laisse. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bonne nuit. User disconnected from your channel. Attends, j'ai une colo là, une colo là. Une colo dans les îles. Ils viennent de fermer le tunnel sous la Manche. Pardon. C'était en rapport avec un truc qu'on a dit ou c'est en... ou toi tu parles de l'actualité? Bon, le commerce d'un seul coup s'est complètement effondré à Gênes parce qu'il y a eu une guerre. Genre, Pape Toscane. Oh, c'est très bon ça. Et tu as largué la Chine. Ah oui, ils sont à. Faudrait suivre un peu plus le chat. Ouais, mais là j'étais dans une guerre, monsieur Clader, une guerre importante. L'avenir du monde civilisé est en train de se jouer là.
Surtout avec les ténèbres rampants en Ibérie. Oula, j'ai eu un gros freeze. Mais c'est bon, ça va mieux. Les ténèbres rampantes en Ibérie, rien que ça. Oui. Bientôt, tu vas même dire que je suis maléfique. Il paraît que tu vois un culte à Nyarlathotep. Ah oui, mais ça c'est normal. Qui ne voue pas un culte à Nyarlathotep? Tu veux construire un fort en deux, c'est sûr que les Indiens ne peuvent pas tracer. Ouais, le problème c'est qu'ils peuvent passer dans les territoires sauvages, donc je les mets où les forts en fait? C'est ça le problème. Ils peuvent s'infiltrer de partout. Là, en fait, il y a trop de provinces. Je vois pas trop. Allez, en fait, à la limite, je peux mettre un fort par ici pour interdire l'accès à cette partie-là du territoire. Effectivement, je pourrais mettre un fort à tête swack. Mais j'ai une fois de plus, j'ai pas la thune. Ou alors, j'emploie la technique ville coyote, quoi. J'emploie la technique Ville Coyote, là je claque 10 emprunts tout de suite, je fais des forts, quelques ateliers, plein de manufactures, et advienne qu'adviendra. Est-ce que tu crois, Zen, que prendre 30 emprunts là tout de suite pour balancer une dizaine de manufactures, c'est rentable? Parce que je suis quand même sceptique. Sûrement, oui. Sur le très long terme, alors? Oui. Je suis pas encore le premier... Par contre, il y a un truc qui me paraît dingue, c'est avec toutes les provinces de fourrure que j'ai, je suis pas encore le premier producteur. En fait, j'ai encore trop peu par le commerce, beaucoup trop peu. Par rapport à mon dev au territoire que je possède, comment ça se fait que le commerce soit si faible, si peu rentable en Amérique? Parce que tu n'as pas encore beaucoup de provinces. Bah, regarde au golfe du Saint-Laurent, je commençais à avoir un paquet de provinces pourtant. J'ai quasiment tout dans le golfe du Saint-Laurent, il manque juste quelques provinces pauvres. Parce que le golfe du Saint-Laurent, c'est pas super riche. Bah ouais, mais attends, il y a pas mal de devs. Au final, il y a pas mal de devs et il y a des ressources qui sont loin d'être dégueulasses. Alors, tu as 444 de devs au total. Oui. En comptant approximativement 80 devs en Espagne. Oui, ça doit être ça, j'imagine. Et en considérant qu'il y a la moitié de ton dev qui est dans les 13 colonies. Oui, mais 13 colonies, bah, je renvoie là-haut, du coup. Franchement, tu penses alors, que j'ai la moitié? Tu renvoies que la moitié des 13 colonies. C'est vrai, il faut que j'augmente mon contrôle sur les 13 colonies. Mais ça me paraissait faible parce que en termes de prod, j'ai 18 d'impôts, j'ai 15 de prod et j'ai 7,5 de commerce. Ce qui me paraissait ridiculement faible, quoi, parce que cette date-là, normalement, le commerce est devenu une part importante du revenu. Comme, sauf quand on s'appelle la Lituanie. Et t'as combien de... De manufactures? Aucune. Aucune, voilà. J'ai absolument pas les moyens de me payer une manufacture. J'en ai peut-être une en Espagne, c'est tout, mais j'en ai aucune en Amérique. Ah, encore du poisson. Pourquoi je gagne plus d'argent? Ah, oui, je viens de comprendre pourquoi je ne gagne plus d'argent. Là, pour le coup, je ne gagne plus d'argent parce que je vis au-dessus de mes moyens. Et qu'est-ce qui t'a fait vivre au-dessus de tes moyens? Les 6 colonies simultanées. Oh putain.
sais qu'on est presque en 1600, va falloir qu'un moment tu as ou à l'autre tu commences à aller en Afrique et en Europe. L'Afrique, c'est prévu. La montée du prix du cacao. Oh, ça, c'est bien, ça va faire beaucoup d'argent. Toi, tu veux te mettre faire des couilles en or, du cacao? Moi, je crois que j'en ai pas beaucoup. J'ai de la canne à sucre. Bah, après, techniquement, du cacao, j'en ai pas. Mais c'est mes colonies qui en C'est tes ont. colonies? Oui, mais ça va augmenter leur valeur commerciale, du coup. Ah, tu sais que j'ai colonisé quand même 7 putains d'îles et j'ai pas une seule qui a eu du cacao. Moi non plus. T'as pas du tout de cacao aux Caraïbes? Que je crois pas. Là, t'as J'ai eu. du café par contre. Ouais. Mais Mais le bon, café après, c'est c'est, ton. c'est mais le café c'est moins bien. Ah oui, mais attends, normalement il y a un event où le café prend une valeur de dingue. Et regarde tout ce Ah, que il n'a j'ai pas eu, encore eu quoi. lieu. J'ai quasiment pas eu de Parce qu'il me sucre. semble que le café monte à 4,50 et qu'il vaut autant. Ou que ça devient aussi bien que le cacao. Mais c'était plus. Enfin, Enfin, presque autant que le cacao. regarde-moi ces ressources, quoi. Blé, poisson, bois exotique. Mais tu Enfin, c'est de la sais que merde, c'est quoi. moi et l'anglais qui ont eu les bonnes ressources dans les Caraïbes. L'anglais, il a eu trois provinces de café. Moi, j'ai eu plein de canne à sucre. Bon, je suis encore en trêve avec les Hurons, donc ça attendra un peu pour la suite de la guerre. Il faut se donner moyen, pense à l'astuce de Ville Coyote. De vivre au-dessus de mes moyens, c'est ça? Ah, c'est la 10 de dev. Bon, mes bourgeois, je peux. Ah, si, ça y est, je peux leur redemander. Hop. De soutenir la colonisation. Je repasse à 150. Ici, encore 2 années de trêve. Et mon vassal, n'aurait-il pas des revendications? Il a des revendications. Il dit ça, non mais ça change rien. Là aussi, il y a une trêve. Par contre, l'anglais colonise où en ce moment? Parce que j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il fait plus, il fait que dalle. En Amérique du Sud. Hey, il a perdu ses colonies en fait. Oui, le Brésil. Attends, le Brésil, c'est à qui? Non, il est à toi. Oui, c'est à moi le Brésil. Mais Attends. non, au niveau de l'Argentine. À un moment, il avait 5 colonies en même temps et il les a perdues, donc elles ont dû être bouffées par des natifs. Ça fait bizarre, j'ai l'impression qu'il fait rien. Il a juste pris. Au final, il a pris Haïti et depuis. Parce qu'il colonise pas chez moi, bon, je vais pas me plaindre, mais ça me paraît bizarre qu'il soit nulle part. Gênes se tape les conflits religieux. Oh, cette violence. Attends, Gênes n'a plus qu'une seule province, je crois. Ah non, deux. Deux, elle a toujours Chios. Ah, t'as Akai qui est apparu. Akai? Akai. Où ça? C'est quoi? En Grèce. Ah oui. What the fuck? Qui est en guerre avec Venise. Venise qui s'efforce d'essayer de garder son. Venise qui croyait qu'elle avait tout gagné, qu'elle aurait son empire colonial en Grèce. Elle tente de le garder sous contrôle. Alors, en même temps, il reste ça et Venise. Eh, mais il y a un moment, elle avait beaucoup de territoire quoi en Grèce. Oui, mais c'est fait de bouffer par Et ça, Serbie-Autriche. alors ça, les traditions grecques.
Force doctrine. Coup de doctrine, coup de légitimation, coup des conseillers, conseiller d'infanterie. Alors, Akai a les idées, je crois qu'il a les idées de la Grèce. Je crois que ça avait des combativités, des galères aussi, la Grèce, mais a priori, ça a juste du coup. Les hospitaliers ont profité pour aller ninja une province aux Ottomans sur le continent. Ah ça, putain, c'est exceptionnel. Et les Ottomans vivent encore et toujours à Chypre. Les croisades ne sont pas terminées alors. Et il y a une guerre entre Ottomans et Byzance, Valachie. Byzance est en train d'essayer de leur porter le coup de grâce. Ah, Byzance est toujours en vie. Elle est réapparue. Oh putain. En fait, les Venise, elle usait plus gros que le ventre et s'est tapé une révolte de patriotes grecs qui ont libéré Byzance. Ah merde. Plus simple de faire comme ça. Alors, où est-ce qu'elle va être la prochaine ? Ah, cela change tout, leader. Qu'est-ce qui se passe? Ah, cela change tout, ça y est, tu l'as eu? Oui. En plus, ça spawn à côté de chez toi, tu vois. Ah oui, à côté de mon vassal. Commerce mondial. Et ça donne quoi comme comme avantage de faire de l'avoir directement? Ah, comme toi... avantage bah, que ça spawn chez moi et plus 100 dans chaque dans chaque machin et 25 partout. De trucs gouvernementaux. Et un autre truc? Du prestige, un truc comme ça? Oui, sûrement un peu de prestige, je sais plus, j'ai pas fait attention. Mais c'est les 100 points de chaque et le fait que ça spawn chez toi, bah c'est bien quoi. Alors, je vais une nouvelle mission, morale navale. Modification des effectifs de marins, tradition navale annuelle pendant 25 ans, pourquoi pas. Avoir 75% de mon nœud qui va me donner... Ah oui, ça me donne un centre de commerce. Tac, où est-ce qu'il a pop? Ah mais attends, regarde où il a été popé. Non, mais vraiment. Regarde tout au nord du Saint-Laurent, Zane. Genre, là-haut, là, dans les glaces et oui, tout... Oui, le centre de commerce random, il avait décidé de popper là. Putain. Non, ça c'est un carrefour commercial important, oui. C'est pas un centre oui, de commerce. D'accord, on est d'accord, mais c'est ça, c'est le truc qui a popé via la mission que j'ai accompli. Ah d'accord. Il disait un carrefour commercial apparaîtra dans l'une de vos provinces de votre nœud principal, donc Golfe du Saint-Laurent. Et le mec a décidé d'aller popper là-bas. Il y a même pas. On pourrait dire c'est le commerce des fourrures, mais c'est tellement au nord. Il y a rien. Il y a un truc que tu peux faire, mais qui coûterait. Ah putain non. Parce que sinon en fait tu te mettais en ta capitale commerciale dans les 13 colonies, tu faisais popper là-bas. Mais c'est pas bah ouais c'est mais pas bon, j'étais content en fait qu'un truc supplémentaire pop sur le Saint-Laurent quoi. Ça aurait pu popper n'importe où, ça aurait été mieux que là-bas. Non mais pas la province juste en dessous. Si même la province en dessous elle était pas dégueulasse. Attends, pourquoi le dev est si faible là-haut? Le coût de dev. Attends, c'est marrant, il n'y a pas de malus. Carrefour commercial, renaissance, corruption. Mais attends, il n'y a pas un malus sur les territoires glaciaires là, au développement? Si, 50%. Mais oui, mais il n'y est pas. Il n'y est pas. Bah, dev. Écoute. Je sais pas si c'est buggé ou quoi, mais le. Tu vois, c'est écrit. C'est écrit dans le Arctique, mais dans le coût de dev, il est à 46. Et après, c'est précisé qu'il n'y a pas de malus, à part la corruption. Parce que j'ai un peu de corruption. Les Pays-Bas se dressent contre l'oppression colonaise. Une attitude avec les Pays-Bas, alliance avec les Pays-Bas, mais j'en ai rien à battre. Oh, bon, c'est chiant, ça m'a fait perdre du prestige, mais bon. Ah, tu vas t'installer au Cap? Ya. Yeah. Je fais des petits points en Afrique pour essayer de pour pouvoir créer mes compagnies commerciales. Ouais, mais tu veux le pousser où ton commerce?
J'enverrai vers toi, je m'en fous. C'est pour avoir des marchands supplémentaires. En soi, je m'en fous du commerce africain, mais c'est pour aller vers l'Asie et pour essayer d'avoir un marchand ou deux en plus. Tu feras toi ce que tu feras ce que tu veux avec le commerce africain, sinon il coulera directement vers la Côte d'Ivoire. Jours. Oula, ça va être chaud. Nouvelle province légitime, Yahoo. Ah oui, mais du coup, maintenant quand même, je peux récupérer mes corsaires. Ils sont où? Bah, quelque part en Méditerranée. Tiens, qui sont mes rivaux? Parce que oui, je ne sais même pas qui sont mes rivaux. L'Angleterre, on va les pirater la Manche. Oh, je peux pas pirater la Manche, c'est trop loin. J'ai perdu 4 navires de transport. Tu peux pas pirater la Manche? Non, a priori, c'est trop loin. Conseiller. Bon. Est-ce que ça monte? Ça monte. Il y a toujours des emmerdeurs qui tirent sur mon nœud, c'est les Anglais. En fait, ah non, les 13 colonies, il n'y a qu'un seul centre de commerce. Tout le reste, c'est que des baies, je viens de me rendre compte. Oui, mais quand c'est colonisé, ça se transforme en centre de commerce en général. Ah, parce que pour l'instant, il n'y en a qu'un seul sur deux hein, qui s'est transformé en centre de commerce. Si jamais il n'était pas un de les vus. Bon, on va voir pour les autres. T'es sûr que ça se transforme en centre de commerce? Bah, en général, oui. Enfin, avant, ça marchait comme ça. Ça a peut-être changé, mais... Je peux partir en guerre contre les Hurons. Attends, ils sont alliés autant de monde que ça. Ah oui, ils sont alliés absolument tout le monde. Un colon libéré. Je vais peut-être essayer de boucler le...
expulser les minorités fétichistes. Oh, je pourrais ramener mes fétichistes d'Afrique. C'est pas beau ça? Pour les mettre en Amérique. Le choc civilisationnel. Bah, les esclaves. Les esclaves africains, après toi. Ça reviendrait au même. C'est même ce qui se rapprocherait le plus de ce bon vieil esclavage. Oui, mais alors dans ce cas, ils sont pas convertis, c'est ce que vous voulez dire. Ils sont convertis au christianisme. Les esclaves, bah, ils sont convertis par la force des choses au fur et à mesure. Ah mince, j'aurais dû mettre mes hommes plus proches. Toi, je vais te fumer, attends. Tant que je te chope. C'est le général et ça c'est le conquistador. Alors, il veut pas aller plus loin? Ah non, on dirait pas. Peut-être là. Saint-Empire romain germanique. En fait, Zayn, qu'est-ce que t'attends pour devenir empereur? Mais c'est-à-dire que je suis un petit peu musulman. Et alors, c'est une excuse? C'est ça ton excuse? T'as rien de mieux, hein? Bah, c'est-à-dire que ils ont eu une guerre de religion et c'est les catholiques qui sont élus, donc c'est difficile. Hein. Poum, allez, la capitale des Hurons est tombée. Ah merde, ça j'ai recruté tout le long de la côte. Hop. Conflit intérieur en France. Ça n'a pas le moment de frapper, Zayn, tel le serpent. Mais j'ai pas de frontière avec la France. J'ai même pas de claim, ni de CB. T'as un vassal. À partir du moment où t'es un vassal, c'est une frontière. Ah oui, si on veut. Alors, d'un côté, j'ai envie de dire, c'est super chouette de recevoir plein d'or du Mexique. Et de l'autre, c'est pas cool parce que ça fait de l'inflation, c'est ça? Exactement, ça fait un petit peu beaucoup d'inflation. Le gars se plaint des flottes au trésor. Non, mais allô. Nous pouvons procéder à un investissement dans notre machin commercial. Si tu le lis. Attends, je comprends pas. Parce que j'ai un icône qui est apparu. Nous pouvons procéder à un investissement dans une compagnie commerciale. Et quand je clique dessus, ça ne voit rien. Non, mais alors c'est pas que ça trouve quelque chose. Ah oui, non, parce qu'il faut cliquer sur la province. Et là, tu vas sur le deuxième onglet. Et tu peux cliquer sur les boutons. Deuxième onglet le truc régional, ok. Voilà. Ça coûte une blague. Et c'est par région, oui. 300 touches. Ah oui, après il y a les améliorations. On peut tous les construire par province, t'as essayé ou pas? Oui. C'est juste pour. Alors c'est par région. C'est par région, donc c'est une province où tu construis, ok, ça. C'est ça. Mais globalement, je pense que pour toi, ça a assez peu d'intérêt. Avec une seule province, oui. Même avec plusieurs. En gros, c'est des bonus commerciaux. Alors que il y a de la prod aussi. Fou, mais bon, pour ça. Il y a aussi bonus de prod. Après, il faut avoir des ressources qui sont intéressantes pour un bonus. Pour comboter avec le bonus de prod. Moi, je l'ai fait juste pour permettre de gratter 12 ducats de la Guinée, tu vois. Mais à part ça. Bah...
vole des cartes en Amérique. Avec mes réseaux. Bah, je crois que c'est que j'ai fermé mes réseaux d'espionnage, non? Ou je les ai encore sur les Amérindiens. Je crois que j'ai arrêté les réseaux d'espionnage. Ouh, je vais avoir de sacrées révoltes, moi. Protéger le commerce. La baie de Chesapeake. Ah ah, boule dude, il a des révoltes en Amérique. En même temps, j'ai bouffé un sacré paquet de provinces. Ça me paraît normal qu'il y ait autant de gens qui soient en mode vénère maintenant. Oui, mes trois espions sont libres. Je vais faire le prochain réseau d'espionnage, ça sera sur les verts, donc hop. De toute façon, après, il n'y a plus vraiment d'Amérindiens, il y en a encore plus à l'est. Oui. Il va falloir que j'envoie un conquistador pour explorer tout ça. Il y en a à l'ouest des Grands Lacs. Oui. Oui, il y a des mecs genre en Alaska et des conneries comme ça. Ah oui, non, mais c'est très loin, mais il me semble qu'il y a quand même une zone de vide au centre des US. Ah oui, à peu près. Il y en a au-dessus du Mexique, genre les Pueblos et tout ça. Et ouais, il y a une grosse zone de vide. Alors, si, il y en a. Ils appellent on va dire le nord de la Louisiane dans la carte du jeu. Il peut y en avoir un petit peu. Ouais, parce que ouais, c'est des mots de province qui errent. C'est ça, ouais. Alors, les bourgeois. Sainte-Lucie, pouf, oui. Succès à conversion, yippee-kay. Je vais donner ça à mes ponies. Les Hurons veulent pas se rendre. Les pauvres croient avoir encore une chance. Par contre, on a invité ça, c'est normal. Non, pas du tout. Je sais pas, on a eu à avoir un coup de lag. J'ai pas de trois objectifs. Je ne peux même pas passer mon âge d'or, c'est sérieux? Tu peux pas passer ton âge d'or? Non, a priori, j'ai pas assez de. Tiens, de nation coloniale. Ère de la réforme. Ah, parce qu'on approche de l'ère de l'absolutisme. Oui. Moi aussi, j'en ai que deux. J'ai converti à des provinces et être réformé. Et qu'est-ce qui. Ah, convertir un autre pays. Oh, je pourrais faire ça. Attends. Mais oui, je vais convertir un Amérindien. Mon Pawnee, il est totémiste. Grand chef, je vais t'apporter la lumière du Christ. Mais attends, c'est où? Non. Imposer la religion. Ce pays doit avoir de nous une opinion positive. Ah merde! C'est en combien de temps, Zayn, qu'on change de siècle? Genre 50 mois? En lui filant de la thune, ça devrait aller. Je pourrais même, à la limite, je m'abaisserai à lui proposer un mariage royal s'il faut. À ce sauvage. Les Outanés. Est-ce que une paix blanche? Regarde, attendez, les gars, j'ai wipé vos armées. J'ai 13 000 hommes qui assiègent ce que vous osez appeler une ville. Une paix blanche, je pense que vous en sortez pas trop mal. Faire un don.
Excellent. Alors, 9 jours, 8 jours, on a encore combien? C'est bon. 80. Non, c'est bon, on a encore 80 mois, Zayn. Ouh. C'est bon, j'ai largement le temps. Oui, mais je l'avais dit genre 50 mois. Oui, oui, bah tu bon, ok, je me suis trompé. Non, mais tu sais, exagéré de 30 mois. C'est 50 ou 80, c'est pareil. T'as le temps de faire ce que tu veux. Hein. Ah bah, pour le coup, pas forcément, mais là c'est de redo. Bah non, c'est justement, ça peut être chaud. Pourquoi il m'aime pas? Attends, je comprends pas, l'opinion était remontée. Ah, parce qu'on est plus en guerre, ça donnait un bonus le fait d'être en guerre côte à côte. Est-ce que tu as une flotte, Dider? Oui. Est-ce que tu voudrais venir te friter contre la flotte marocaine? Pourquoi pas? J'ai 10 lourds. Et 10 lourds qui escortent mes transports. Allez, allez, allez. La lumière du Christ, les gars. La lumière du Christ. Ah, bah, attends, je pourrais changer de religion en pleine guerre. Elle va durer longtemps, ta guerre? Probablement, oui. Ah, putain. Tu peux changer de religion avant de... Pourquoi tu veux changer de religion? Non, je veux imposer la religion aux Pawnee. Ah, je dois leur imposer la religion pour activer mon âge d'or. Bah, ça te prendra combien de temps? Bah là, je suis pas très loin. Je suis en train d'essayer de monter les relations pour qu'ils acceptent. Ah, ça y est, là, ils devraient accepter le changement de religion. T'as allé où de cette bataille navale? Je vais la perdre. Voilà, j'ai imposé la religion. Du coup... Oh là là! Ah, mais galère, c'est... Pourquoi je peux pas entrer en âge d'or? Elle pue du fion, mes galères, hein. Ah, ça y est, je peux entrer en âge d'or, Zayn. Je peux entrer en âge d'or, j'accepte ton invitation. Hop, tu te fais défoncer à ce point-là? Ah, mais mes galères se sont faites atomiser, en fait. Il avait un lourd, mes galères se sont faites atomiser. J'arrive, ma flotte arrive, elle est en route pour l'Andalousie. Mais je crois que c'est des galères Tech 3, donc... Ah oui, si tu les as jamais mises à jour, c'est pas gagné. Oui, je voulais faire un truc aussi, c'est au niveau des colonies, il faut que j'en lance une quatrième. Combien de... J'ai le droit à un troisième, donc je peux peut-être mettre un amiral sur ma flotte. Oh là, un explorateur, après tout, je m'assume comme étant un enfant du nouveau monde. On va appeler ça comme ça. Allez, je viens de la défoncer, elle est où ta flotte marocaine? Elle est où? Aucune idée. Ah mais là. Il a 9 lourds, Zayn. En fait. Ah oui, quand même. C'est peut-être aussi pour ça, hein, que tu t'es fait déglinguer. Fin du conflit intérieur en France. J'ai un vassal déloyal, j'ai des révoltes qui vont bientôt popper, donc ça va, le pays est bien géré. Il est 2h du matin. Oui. On continue combien de temps? On va arrêter là. Pour les 2h. J'ai complètement zappé sur l'heure. Il y a encore du monde en plus qui était sur la chaîne YouTube. Coucou à tous ceux qui sont là. Et il n'y aura pas d'Alex ce soir vu l'heure tardive qu'il est. Eh ben, n'hésite point à arrêter dans ce cas-là. Je tue mes rebelles et après, la bataille est en cours.
Moi, je vous laisse les gars. Allez, bonne soirée. Ciao. 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 User disconnected from your channel. J'ai l'impression que mon bénéfice ne bouge pas. C'est toujours le même et j'ai du mal à construire des bâtiments avec. Pourtant, mon revenu a bien monté. Succès à la conversion. Ça va, il est 20h chez moi. Rah. Hop, je sauvegarde Zayn. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Andalus Navarra, je sauvegarde. Bon, je dois faire 500 de dev à peu près. Ça se développe peu à peu. Mais c'est long et putain, j'aimerais bien. Il me faudrait un quatrième colon. Là. Histoire de pouvoir faire 5-6 colonies à la fois. C'est vrai que c'est pratique les états coloniaux, même s'ils colonisent pas très très vite. Le fait qu'il y en ait plusieurs, ça aide à couvrir le territoire. Bon. Ciao, bonne nuit à ceux qui suivaient le stream. À la prochaine. J'arrive pas à quitter Europa. Europa résiste. Ah, ça y est.